Maman petite Marie Vente peuple haïtien. Hier, chef terroriste criminel assassin kidnappeur Massisi, village de Dieu le bout ISO 1, et bien définitivement, il fait un sorti crabe encore qui montre que dans qui niveau le paniquer, qui s'est passé. ISO 5 secondes pendant toute semaine bois caléa, li pas à l'aise, chef de gang nan pas capable rentrer la caille. Chef de gang s'est dormi dans toute caille senti, dans toute caille pourri la bout de le senti en dedans village de Dieu. Et bien gagné une équipe vaillant policier, Haïtien Fonson, qui en bas sous Bicentenaire, qui dit, yo même, y'a bay toute vie pour que définitivement, pour tout Haïtien qui se moun dans le Grand Sud, là, tout Haïtien qui vive dans la diaspora qui se moun dans le Grand Sud, là, capable de jouer une possibilité pour traverser Matissan avec autant de facilité avant son meilleur pour venir là. Parce que yo dit, yo même, si c'est yo pour passer, pour Matissan débloquer, y'a passé. Mais définitivement, yo dit, yo prêt pour que pas jamais gagne ça dans Matissan encore, gang ça ou le village de Dieu, gang iso, gang criminel ça yo. Mais définitivement, vieux chef théoriste à Ole Isoa fait un sorti crabe. Sorti a montré dans qui niveau que Boakale a traversé coalition gang. Nan. Et c'est là, m'a dit nous même en tant que haïtiens, intensifier mouvement Boakale tout partout. Et m'a dit tout haïtien qui est dans la diaspora, qui a nous, qui a gardé nous là, qui continue à questionner nous sur Boakale dans Port-au-Prince. M'a dit nous que Boakale a fait commencer. Parce que c'est Kounia Provincio saisi de l'opération Boakale. Qui s'est passé? Pas oublier. L'on parle de gang de Matissan. C'est pas nous qui dit qui alors c'est pas nous qui dit li. Majorité nèg k'ap fè mouvement criminel, mouvement assassin, kidnapper, k'ap terrorise population dans Port-au-Prince. 90% là dedans c'est moun dans Grand Sud. Et c'est moun dans Grand Sud qui témoigne. Et majorité là dedans sont dans Grand-Dans. C'est moun Grand-Dans qui témoigne. Et c'est ça qui fait que moun dans Grand-Dans décide pour que yo trace un exemple clair. Parce que yo dit li pas possible. Pour gros département ça qui c'est département la Grand-Dans. Qui ba toute qualité gros monde sérieux ça yo pour yo ouais vous c'est des jeunes garçons qui sont dans Grand-Dans cap sale image département comme ça et bien yo dit yo même comme Boakale ya la pote bourre sur dans Port-au-Prince et bien grand pile là dedans cap prend la mer cap prend bateau cap rentrer dans sud Okai de Okai pour yo prendre machine ou bien la mer toujours pour yo continuer pour rentrer dans Grand-Dans et bien monde dans Grand-Dans dit quel que soit jeune garçon qui te prend plaisir yo, pour faire mouvement crasé brisé tout le monde dans Port-au-Prince là l'ont rentré dans Grand-Dans fuck yo doug fuck yo connait qui sont venus chercher et quand on sorti dans Port-au-Prince automatiquement t'a gonti lumière un petit flash qu'on sorti dans gang pas que l'autre bagaille Boakale dans Port-au-Prince pour que j'aime Boakale devant Boakale paysan yo et m'pa ba nous menti paysan yo pis sous ça toujours que monde Port-au-Prince nous pas ta fond idée m'pral dire nous qui choy parce que grand pile bagaille qui parler dans pays là, il y a pile information qui bagaille qui va le faire tout, mais quelque part bagaille qui nous pas dire directement, mais honnêtement, on dit que Boakale ya, c'est grande solution qui capable sauver pays d'Haïti. Et me parle ba nous plusieurs raisons qui cause me dit ça. Restez là, nous pas connait qui choy. Mais avant que me rentre dans ça, faut que nous prions pour policiers nous yo parce que yo remet prière et diaspora haïtienne remet prière. Mais tout d'abord, il y a un scandale qui pété dans Washington DC. Côté que yon de ses passeports a fait actualité là qui fait connait que gain en pile passeport qui vend avec des étrangers moun qui pas gagné pour yoy avec haïtien combien cob moun acheter passeport sa yo c'est à plus que $10,000 américains imaginez ou yon moun qui fait un investissement plus que $10,000 américains $10,000 américains non green passeport haïtien moun sa pas haïtien qui est lié nous pas connaît pour qui ça le fait qualité investissement ça qui ça le régler avec passeport haïtien ça nous pas connaît mais sauf que si yon moun ça qu'une cas dit si yo étranger capable investir $10,000 $20,000 $30,000 américains pour faire passeport haïtien c'est que moun sa pas foutu bon moun pardon et les gars ont mission bien spécifique que li pral régler avec passeport ça ça veut dire qui ça ça veut dire que moun qui était responsable ambassade Washington moun qui était responsable ambassade d'Haïti à Washington yo gon gros Shadow qui a poté là. Ou du moins, épée d'amour qui est sous tête. Ça veut dire qui ça? Sécurité chaque grand haïtien qui a vécu quelque soit côté dans le monde là. Dans le moment où je parle là, suite avec passeport que nous avons vendu, sécurité haïtienne ça va pas garantir. Raison simple. Parce que, vous avez des étrangers qui ont passeport haïtien dans le monde, quelque soit Zach malhonnête qui a commis, c'est sous nos Haïti, c'est sous nos haïtiens qui a commis. Ça veut dire qui ça? Le, on est là. Là, on terroriste, vingon passeport haïtien la mel, là, font un acte terroriste,
li terrorise la population, li tue une quantité de monde dans l'autre pays, l'explose en côté, li fait le sous non Haïti, on passe pas ici la même, de fait son Haïtien qui fait. Et le ça, m'baba nous menti, si grand Haïtien qui est dans le pays, ça, ou met quoi m'souvle? Pas de personne sur la terre, kap jam capable de épanier. Et pas de personne kap dit, rien, alors kap capable de défendre dans rien du tout. Pour ça qu'on arrive. Et à travers le monde, bon gens que, yo va le suivre Haïtien, parce que définitivement, c'est des terroristes qui nous y est. Parce que moun qui vend passeport pour 10 000 dollars américains, ils sont kamikazes, ils sont terroristes, ils sont kidnappers, ils sont gang que Iso, ils sont gang que Tilapli, ils sont assassins que vite l'homme que l'homme sans jour. Tout point ça, yo, nous prenons le cas de mission ça, et nous prenons comprendre la gravité de la situation. Et en plus de ça, il y a plus de flèches qui ont tiré autour de l'ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph. Qui est-ce qui vérité dans ça? Retenez dans la démission ça ou pas le connaître en pile détail? Parce que nous-mêmes, dans Infobeto, nous fouillons dans Kalalou pour nous venir baou. Bonjour, information. Mais ça qui est important, rapport qui épinglé Mounio directement, c'est rapport ministère de la Justice dans le pays d'Haïti et ministère de l'Intérieur dans le pays d'Haïti. T'es mené, rapport d'enquête. Et c'est FBI qui mène une enquête et qui ont épinglé une équipe moun qui n'en vend passeport, qui n'en fait détournement fond, qui n'en vole comme l'État haïtien à Washington et qui pas payer taxes l'autre bord. Moun sa yo en pile là dedans déjà, yo qui te prend nationalité américaine. Rete la dossier en pile, mais ça qui est important, actualité assez bois calé qu'il y a. Hier qui était 7 mai 2023 et qui était fait exactement 22 mois depuis qu'il a assassiné président pays qui c'est président Jovenel Moïse, et bien justement gagné ancienne première dame de la République là qui c'est madame Martine Moïse, li parlé à travers un tweet. Gagné ancien premier ministre Dr. Claude Joseph, li parlé à travers un tweet. Et gagné plusieurs autres monde qui parlé. N'a regardé si nous t'avons gagné Rosemont Jean tout à l'heure qui pour ta fonti parler ensemble avec. Mais si nous pas gagné Rosemont Jean là, maintenant n'a gagné Rosemont Jean tout à l'heure comme ça dans l'autre édition pour que nous t'avons parler ensemble avec. Mais n'a fait tout effort qu'il capable pendant que n'a parlé ensemble voilà là pour contact que fait avec Rosemont Jean. En avance. Peuple haïtien, m'a demandé nous si que ou pas occupé ou pas pressé ou pas gen trop bagay que ou ap régler, rend mon service, rend tête au service là, rend nation service là, rend grand Dieu Jéhovah service là. On nous prend quelques secondes pour nous prier pour frère nos policiers nous yo qui remettre séance de prière ça et que effectivement nous porter pour yo dans l'académie. Et n'a commencé à partir de maintenant. N'a dit bon Dieu dans ciel là. Papa non qui dans ciel là, grand Dieu Jéhovah, et qui crée ciel là avec terre. Comment là n'a prié en grâce et n'a continué remercier, remerciement pas suffit pour tout ça qu'on fait pour nous. Surtout dans plus passé une semaine qui définitivement concrètement nous déclenchons bataille contre des terroristes qui kidnappent nous, qui violent petit nous, qui assassinent nous chaque jour et que nous-mêmes nous pas suspendre demander pour t'accompagner dans bataille là. Et avec autant de facilité ou accompagner dans la bataille là, nous avons facilité pour nous identifier bandits yo, criminels yo, assassins yo. Et dans moins que des semaines, nous arrivé pas atteindre plus passer 200 criminels assassins dans Port-au-Prince seulement. Et à travers l'autre département yo, m'pa bon menti chiffre là, li exagéré. C'est là m'a dit et que nous avons définitivement ou décidé pour ba non bourade concrètement dans quatre batailles que n'a fait pour dénicher bandits. Et depuis l'opération bois calé lancée grand mètre là, et que les policiers pas suspendent, sillonnés et pointés du doigt directement groupe terroriste, groupe criminel assassin, groupe kidnappeur qui est dans village de Dieu qui détruit environ 5 policiers 12 mars 2021 yo, et qui fait une quantité de kidnapping qui détourne en pile camion marchandise monde dans grand sud là, qui tue en pile monde, qui tue en pile jeune fille, qui vole en pile fille, qui kidnappe en pile monde. Mais justement nous prions en grâce papa maintenant pour qu'il puisse aider mener bataille ça ou devant nous derrière nous. Mais tout d'abord n'a pas demandé au papa m'nan couvri préfrène policier nou yo qui devant matissant nous connaît bandi ou gen gros am nan men yo mais grand mettre là moi connaît qui c'est ou même qui gen tout pouvoir fais am bandi ça au bébé fais les ou gen intention pour tirer sur policier yo pour aller les am nan yo fann tête ensemble avec yo fise tête ensemble avec les ou penser c'est policier pour le fise et fait tout chaque grain policier qui pral péton grain balle en village de Dieu quel que soit côté bandi a caché des hommes papa et ben justement on va faire balle la traverser et puis elle tomber dans crâne criminel assassin dans crâne criminel gang nan fait
effectivement, chaque grain balle policier, c'était un criminel, un terroriste qui l'y atteint. Et justement, ma demande au papa, béni doit être policier. Béni doit être policier, béni zam qui n'a pas policier. Fais zam ça, pas j'aime rater un grain balle, pas j'aime gaspiller un grain balle. Chaque grain balle atteint ciblé qui sont terroristes, qui sont un criminel, un kidnappé, un assassin, qui a kidnappé mon tout partout dans le président. Et dans toute raison, ça, on va mettre, Abdjo, merci, merci. Et on continue de dire merci chaque jour parce que vous faites un pile pour nous en tant que haïtiens. Parce que on garantit chaque grand monde qui a tendu nous, qui a gardé nous là. Si ce n'est pas bon Dieu dans celle-là, je ne sais pas quoi. Nous avons existé toujours comme peuple. Et pour toute raison, ça, papa, je vous remercie. Je vous remercie pour combat ça, que vous menez et vous continuez à mener ensemble avec nous. Nous remercions et nous disons nous-mêmes, continuez à nous plus force. N'a pas de plus force, papa, je plus détermination, plus conviction. Pour nous capables de dénicher Badio dans la coupe d'Haïti. Béni Zam, nous papa. Et béni Manchette, nous papa. Nous remercions. Amen. Papa Haïtien, dossier compliqué. Nous avons continué de dénicher Bandi. Criminel assassin, pas suspendre pété courri. Et je dis encore une fois, nous avons pris dans qui niveau que gang yo pas à l'aise. Chef de gang, criminel assassin, village de Dieu qui se ISO 5 secondes. Monsieur pas à l'aise. Et ou après que chef de gang n'a caché dans trou et que définitivement la fait cette vidéo. Mais rentrer la Kaili, il n'est pas capable. Parce que définitivement, monsieur Sniper sous bicentenaire et que ils n'ont pas capable pour te bourrer. Peuple haïtien, nous prenons parler qui choisit l'académie sans s'en avec. Mais tout d'abord, l'on a kidnappé moun, l'on a séquestré fille pour évanouir. L'on a fait violence aux filles, l'on a kidnappé moun, ou a volé l'argent moun. Et bien justement, la Bible condamne ou à la peine de mort. Pasteur Claude Lucet. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappé moun, au monde qui viole fille, au monde qui séquestre moun pour revenir, la Bible condamne à la peine de mort. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Moun qui a retiré la peine de mort, les gen problèmes dans un pays, c'est moun qui révolté contre la justice. Au pays, pas qu'a pas la peine de mort, parce que tout pays qui pas la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. Il faut que la justice prononce des jugements proportionnels au crime commis. Si crime n'a pas joint en justice qui proportionnelle à lui, crime n'a pas besoin de suspendre. Un pays qui retire la peine de mort la Kaili, son pays qui condamné pour vagabondage dévoré. Il n'a pas besoin rien parce que justice n'a pas besoin capable d'établir dans le pays. Je dis à tout le monde à parler de nouvelle constitution en Haïti. C'est le moment pour prostitution, ça. Constitution 87, la témène, ben nous en suspend. Ou ap kidnappé moun. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappé moun. Au monde qui viole fille. Au monde qui séquestre moun pour revenir. La Bible condamne à la peine de mort. Depuis dans Genèse, nous lit ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. C'est la dispensation humaine. Le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout côté où on retire la peine de mort ou condamné pays ou pour injustice détruite. Et si haïtien, cap salut mon Dieu, conscient de la vérité biblique, il a tout te doué lever voix pour dire oui à la peine de mort, non à l'impunité. C'est le moment. Merci en pile, pasteur Claude Lucet. Papa haïtien, m'a dit nous bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a, ou attendez nous et ou regardez nous hein. Encore une fois, Jean que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour commencer avec nous. Ça vraiment fait du bien. À chaque fois que me connais, m'a vu une partager moment ça avec nous et que me connais, nous va réagir exactement à travers commentaire. Alors, c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'académie pas nous, effectivement qui passe sous plateforme pas nous, qui c'est plateforme YouTube. Info bientôt parce qu'il est très important et que vous même cap tendez ou même cap garder et ben justement ou capable partager émission ça avec vos amis en famille qui n'a contact quoi ça vous partager une façon pour que vous capable faciliter plus monde participer ensemble avec nous même qui a peine à faire apparition sur plateforme ça veut dire que faire connaissance première fois ou découvrir plateforme ça qui c'est plateforme YouTube bientôt et ben m'a encourager ou abonner avec plateforme ça. Le abonné avec plateforme ça fait que vous faites partie de la grande famille Infobeto. Ça veut dire que vous êtes monde qui conséquent, vous êtes monde qui remet pays ou, vous êtes monde qui bataille pour pays ou, vous êtes monde qui croit dans bataille pays ou, vous monde qui souhaite pour que pays ou change et que vous même vous décidez de participer dans bataille pour pays ou changer. Le que vous faites partie de plateforme ça, famille plateforme ça. Quel que soit côté de vous, vous êtes famille.
plateforme ça connaît qu'on sont combattants ou bataille pour changer. Pas arrêter d'ailleurs. Invitons l'autre ami participer ensemble avant venir abonner avec plateforme ça. C'est très intéressant parce que objectif là, pas trop longtemps nous besoin atteindre 100 000 abonnés là parce que 100 000 monde mes amis. Soyons sérieux. Côte ça il faut mettre pas faire là comme si nous dans date ça nous trouver là plus passé de l'année comme si nous pour faire 100 000 abonnés. Ça sont crimes contre l'humanité. Imaginez chaque jour et plus passé 80 à 100 000 monde à regarder une émission. Imaginez. Soit en sérieux, papa haïtien. Moi, maintenant, en pile, n'a pas continué. Voilà. Tout d'abord, n'a pas commencé par le dossier ça qui rentre dans l'actualité, définitivement. Avant que nous rentrions dans le phénomène Bois-Calais, parce que Bois-Calais a li, finalement son activité qui est transversale et que Libre a une facilité pour résoudre tout l'autre problème. OK? Parce que m'a dit non que son réalité, son vérité absolue, nous jouons en pile monde n'importe quoi, témoignel, depuis le. Bois-Calais lancé a pas gon kidnapping qui fait dans la commune d'Elma du tout. Pas gon kidnapping qui fait. Depuis le Bois-Calais a lancé. Pas gon kidnapping qui fait dans la commune Pétionville ni Thomasin ni et La Boule. Pas gon kidnapping qui fait. Ça son un gros record. Ben di au chômé, ben di pas ka sorti. Ti groupe crédit pas sorti parce que village de Dieu perdu en pile soldat. M'a dit ça pour pays a. Gang Izoa, c'est gang qui perdit plus soldats pendant plus passé une semaine, Bois-Calais qui parle deux semaines là. Gang Izo village de Dieu. C'est gang qui perdit plus soldats. Et gang ça en faiblesse. Parce que lui perdit en pile zam. Lui perdit en pile zam. Pas oublier non? Début si seulement, il prend plus passé 30 zam début si. Dans début si seulement. Nous comptons ça, ça veut dire? Dans début si seulement. Dans zone canapé vert, yo pou paquet d'zam. Dans zone La Boule, yo pou paquet d'zam. Ça veut dire que gang Izoa, c'est l'zam ni qui t'a pote renfort ba tout l'autre gang comme ça. Tellement gang ça t'empile. Dans zone sous mat la cabaret. Yo te touye 8 bandi population. Yo te prend 4 zam. Chien méchant débarqué nan Canaran. En pile les gars fait, en pile bandi tombé. Gen zam que l'autre groupe gang ça prend. Ça veut dire gang Izoa vient en faiblesse. Et sa cause, boule microbe ça, théorie ça ou les Izoa, vient se circule tellement en faiblesse, li pa ka rete la kay li dans village de Dieu. Parce que e grand avin nan son endroit, kote ke tout gang, kap touye moun bol a rien, sou bisat nan lan, depuis yon kou de yon, se lo al kache. Parce que grand avin nan quelque part, yon dit son zone stratégique. Pour opération mené là, faut que police soit très vigilant, faut qu'on amène là avec masse populaire là pour arriver à atteindre bandi yo parce que son zone stratégique. Mais c'est là chef terroriste criminel assassin village Dieu al caché. Voilà. N'a faut quitter dossier et Bois-Calais pour nous rentrer dans dossier passeport. Mes amis, mais ça qui plus grave là que en pile monde pas parler. Tout le monde a parlé de fait passeport, passeport pas fait, mais ça qui est plus important pour qu'on connaît. C'est quand tu es haïtien qui trouve à l'extérieur du pays, qui allait dans une ambassade, qui allait faire un passeport pour en urgence, il a déposé 150 à 200 dollars américains. Passeport ça, il a conjoint ni sous plus passé 6 à 7 mois, mes amis, il est haïtien. Plus 7 à 1 an. 7 à 1 an, 7, 8 à 1 an, pour yon jouni yon passeport, yon haïtien qui trouve yon en de yon pays. Mwen son je tcheko peuple la, te gon voyage pour te réaliser. Tcheko, pabli, la vive Brésil. Tcheko di mbeto, mwen chèm go passeport la, mbay fè nan yon ambassade haïtien au Brésil, mais yon fèm konne ke as passeport a se Washington qui imprime l. Monsieur dit le payer l'argent normalement. Même si c'était un voyage pour le faire dans le pays Canada. Est-ce que nous connaissons? Passeport que tu n'as pas à joindre. Il va faire voyage là. Moi, de vous qui êtes bien planifié, il va capable de réaliser voyage là. Tu es peuple là. De machinze. Alors, mais c'est la caille. News. Brésil. Qui ça fait ça? Parce que yon paquet consul kap pren l'argent,
mais qui a voyé passeport à Washington sans cobla. Et là, il a voyé cobla tout, un groupe réseau mafia, un groupe criminel à Washington DC, qui prend comme ça eux-mêmes. Soit disant, yo djou, il a fait lobby pour le gouvernement pays d'Haïti, pour Washington être capable de bailler support avec le gouvernement, pour Québec gouvernement. Mais ça a passé. Et sous Ariel là, il a fait une connexion. Pas de l'argent, pas de l'argent petit qui dépense dans la question de lobby ça. Et pour Ariel, tu as un petit grain de tweet ça tout, il a fait connexion. Pas de l'argent petit qui dépense dans la capitale politique mondiale là, qui c'est Washington DC, peuple haïtien. Eh bien, tu as gagné ancien premier ministre, qui était ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, qui t'a mené, alors qui t'a formé en commission, qui t'a mené en commission sous pied, qui peut mener en enquête sous une série de scandales qui t'a bouilli par en bas dans Washington DC. PM Claude Joseph, alors premier ministre, alors ministre de justice à l'époque, mais alors, désolé, ministre des Affaires étrangères à l'époque, lui voyait commission d'enquête ça, à mener enquête dans Washington. Ambassadeur Washington nan ki c'est Bomboshit te boudé tout rendez-vous que commission ça te gagne ensemble avec parce que monsieur te gagne pouvoir et sous pouvoir aller li va choisir pour te parler avec commission mais commission a pas découragé ou te continue à mener enquête et finalement question dans pile monde fouille zone dans Kalalou yo jeune effectivement en pile cas de corruption. Claude Joseph alors les rapports ça vient jeune ministre des Affaires étrangères là qui c'est Claude Joseph à l'époque les soumettre li avec premier ministre à l'époque là premier ministre là jusqu'à maintenant qui c'est Ariel Henry. Et Ariel pas fait rien comme suivi avec dossier ça. Mais est-ce que c'est Claude Joseph qui te soumet document ça? Bye. Ambassade américaine, nous pour qu'on ait information ça. Est-ce que c'est gouvernement Ariel Henry qui te soumet li avec ambassade américaine? Nous pas connaît. Est-ce que tout c'est département d'état américain qui demandait ambassade américaine pour faire demande avec commissaire d'enquête ça que vous êtes au courant qu'il y a une enquête dans Washington? Est-ce que c'est le département d'État qui t'a demandé rapport d'enquête ça? Nous pas connaît. Mais sauf que, selon l'information que nous avons, le département d'État américain, FBI, a gagné une copie dans l'enquête que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui c'est Claude Joseph, t'a mené. Et mais suite avec le document ça, qui c'est ministre des Affaires étrangères, t'a mené enquête sur une quantité de monde dans Washington. Et bien définitivement, dossier a gagné un pile problème. Commission que ça, que ministre des Affaires étrangères là à l'époque, t'a mette sous pied, hein? Les joignent en pile cas de corruption, en pile l'argent a gagoté dans Washington DC. Goma Jojon, qui c'est sœur, si sœur ambassadeur là, et Bomboshit, nous avons qui n'a diplomatie à longtemps, et Bomboshit qui a plus passé 32 l'année en dedans, ambassade d'Haïti, alors, dans diplomatie haïtienne là, et qui a une carrière tête chargée dans l'ambassade d'Haïti à Washington, son équipe qu'on a pile monde, son équipe qu'on a pile lobbyiste, qui a payé gros l'argent pour faire lobby pour le gouvernement haïtien, soi-disant pour laver les yeux, gouvernement, pour faire ouais, président ou bien tout, et premier ministre, la beauté garçon, petit flaneur, et on est qui bon monde, on est qui a bien géré le peuple haïtien, et géré le pays pour aider eux, comme c'est comme solide dans Washington. Mais Edmond Bochit lui-même, l'aile jeune occasion ça, c'est là pour le riche là. Parce que l'aile jeune, il signe un contrat pour 2, 3, 4 millions de dollars américains, et bien justement lui-même, quelque part, tellement qu'il film lobby, qu'a fait lobby dans Washington, et bien film ça yo, leur facilité un contrat, et bien justement, il y a une possibilité pour yo faire joindre un pourcentage sous chaque contrat ça yo. Et chiffre yo, c'est des chiffres tête chargée. Nous pour comprendre là. Mais ça qui est important, c'est que scandale là, à Haïtien Frenson, même Haïtien qui vivent aux États-Unis d'Amérique, yo victime de corruption. Ça qui ça fait ça? Parce que là, yo couche au passeport pour ta jeune ni. Non, 15 à 22 jours, qui part en pile. C'est normal pour étager nos passeports. Au maximum, 15 jours. Mais passeport, ça, yo, après n'importe un an. Bon, mon ami qui couche au passeport avant, il a dit, monsieur, c'est sous 6 mois
qui a cabal passeport. Parce que monsieur petit boubout li pour la loi dans le pays d'Haïti, et bien monsieur pas calo petit boubout là. Un petit boubout monsieur bien prend soin. Un petit boubout monsieur montre qui solide, qui correct, monsieur prend soin le bien. Monsieur visa loi petit boubout là pour que il y a le fait travailler comme garçon, et bien monsieur pas ca aller. Petit boubout là tout besoin ou marier li, li pas ca loi petit et marier pas ca venir elle. Qui ça fait ça? Son scandale qui éclaté en Washington. Avec un pile intérêt. Parce que l'information a évolué et ça cause de tourner sur lui. Docteur Claude Joseph a participé à une émission face à face avec ambassadeur Edmond Bouchit. C'est un tac au tac tête chargé. Chaque monde a dénoncé l'autre et que Claude Joseph juge que lui-même il a un argument et que FBI a approfondi l'enquête là. Il a demandé au gouvernement haïtien de révoquer Edmond Bouchit et il a demandé pour Edmond Bouchit de quitter Washington DC avant 1er mai. Effectivement, monsieur pété courir à toute bouline, monsieur pété courir quitter l'autre bois. Monsieur trouvé dans le pays d'Haïti actuellement là. Ça veut dire quelque part Claude Joseph, il dit Claude Joseph, c'est lui-même qui fait complot qui fait après révoquer environ 41 diplomates haïtiens qui étaient accrédités aux États-Unis d'Amérique qui t'a bien vivre. Claude Joseph vient une véritable menace sous tête lui. Parce qu'il gagne pile diplomates qui t'a bien vivre l'autre bois, qui était riche l'autre bois, qui dit c'est Claude Joseph qui fait révoquer yo. Et bien, yo même tout profiter, yo dit yo pral sale Claude Joseph à tous les niveaux. Gon campagne là qui commence, qui dit que Claude Joseph nan corruption tout. Mais définitivement, suite avec toute démarche qui t'a fait yo, yo vin pa wè non Claude Joseph nan pièce rapport FBI, ça vin fait que quelque part, yo senti gon matraka k'ap fait et comme t'es capable dit et on campagne de dénigrement qu'a fait contre Claude Joseph. Est-ce qu'il y a une preuve? Nous pas qu'on preuve dans mais non. Justement, et dans ça qui est pour avec 41 diplomates haïtiens accrédités aux États-Unis d'Amérique, y compris Edmond Bouchit qui est ambassadeur d'Haïti à Washington, qui côté dans capitale politique mondiale là, et ben tout pays a une preuve sur ça. En attendant, si face à face ça, si ta contact ça que t'as fait dans Radio Télescope FM et puis suite avec ça, nous pral capable comprendre en pile bagaille qu'a passé, qui t'a passé dans diplomatie haïtienne qui t'a fait ou même qui fait passeport dominicain, qui a imprimé dans Washington DC, qui faut pas qu'à jeunir. Ou même qui fait passeport dans le pays Chili, qui faut pas qu'à jeunir, qui est corruption ça qui déclenche dans Washington DC. Entendez avec un peu d'intérêt et puis on va tourner par la suite. Pour citer le nom de Claude Joseph, puisqu'il a été ministre, premier ministre ou ministre de la Réserve, quel rapport entre Claude Joseph et son cousin, côté de Jean-Claude? Quel rapport qui gagne? Parce que même Jean, si on a une soeur impliquée dans la question de passeport, si ce n'est pas vous-même, qui rapport qui gagne, pour qu'il soit au tableau rapport de cause à effet entre Claude et cousine, et puis vous-même, vous capable de démarquer de rapport de vous-même avec soeur. Non, je ne vais pas démarquer de rapport avec soeur du tout. Au contraire, et c'est un fait. Du soeur, mais même les hommes du soeur, c'est un fait. C'est pour Claude. C'est Claude qui l'avait nommé comme responsable de la section consulaire de l'ambassade. OK? C'est pas un bagage que je crée. Puisqu'il était responsable de la section consulaire, bon bagaille qui arrivait, qui impliquait, et mon rapport, moi, je me suis fait la presse. C'est ça. C'est ça, tout le monde a fait, tout le monde a fait. Mais est-ce que Claude Joseph fait du tort? Non, mais côté, il estime que Claude Joseph fait du tort dans le rapport là, dans mon niveau et yo. Non seulement trois mon niveau étaient vraiment partial, pas très partial du tout. Et m'attire attention encore, trois mon zaro, je dis à eux, même parti Claude. Aidez, c'est un fait. C'est un fait, monsieur. OK? Kounia là, ensuite, le rapport là, il remplit le rapport là de mensonges. À part la commission qui est allée en avril, là, dit pas jeune, pas joindre des faits. Tout le monde est questionné, toute enquête, il pas joindre existence, question de faux consulat, je vais aller à le rapport là. On n'a pas trouvé ça. Seulement, il y a San Rélé qui conserve le consulat mobile, il y a des agences. Mais moi-même, quand j'étais ministre, j'étais toujours contre question à l'agence et antenne. J'avais toujours opté pour le concept consulat mobile. Quelle est la vérité concernant l'affaire qui liée à scandale de cela sur question passeport? Quelle est la vérité? Non, mais la vérité, c'est puisque commission dit, commission qui déligne en août 2021, il dit que fonctionnaire ça a été ouvert, faux consulat. OK? Qui te gagne et Emmanuel Content, Jelon Juste et ma soeur Bédina répond. Et sa commission 22 août 2021 a dit. Mais la commission qui a été à Washington 22 août, il est établi des faits, pas joindre preuve pareille comme ça. Ça n'existe pas. Pas de gain pareil comme ça. Et deux rapports qui gagnent Kounia là. Il y a un rapport 2000, août 2021
avec le rapport de la commission interministérielle qui a été à Washington deux semaines de cela. Ils ont dit qu'ils ne vont pas joindre après interrogation, après appel téléphonique, après interrogation des différents consuls aux États-Unis. Ils n'ont pas joindre ça. Question de Maryland dans Salisbury, ça n'existait pas. Ok, là. Maintenant, la vérité, c'est le consulat mobile. La vérité, c'est un lieu d'équilibre. La vérité, c'est donner l'espace également à l'autre partie. C'est en ce sens que nous allons recevoir l'ancien Premier ministre et l'ancien responsable du ministère des Affaires étrangères, le responsable du nouveau parti politique aidé, M. Claude Joseph. Claude Joseph, bonsoir. Bonsoir, Gary. Madame Tandé, c'est un camarade qui n'a pas de soucis, effectivement, qui informe que l'ancien ambassadeur, Bokchit, fait une note et puis il sous radio. Donc, mal tendu, ancien ambassadeur, Bokchit. Et ça fait une pitié, puisque c'est moi-même, effectivement, qui t'ai voyé le directeur du ministère des Affaires étrangères, la responsable de la direction des affaires consulaires, directeur ministère des Affaires étrangères, là, directeur général, là, responsable section consulaire, là, avec un autre membre qui était dans le cabinet, pour aller faire un poil enquêter sur un dossier de corruption qui impliquait Gilhomme Juste que nous avons pas. Une fois que nous songeons, l'ambassadeur a eu le téléphone, il dit, mais ça a passé, il dit, ambassadeur, m'a révoqué monsieur demain. M'a révoqué monsieur effectivement demain, et puis m'envoyer une commission d'enquête qui est responsable de ça là-dedans. Eh bien, le dossier de Gilhomme, lui ouvrit une boîte de Pandore à l'ambassade et d'Haïti à Washington. Côté nous découvrir dans le ministère un réseau mafieux qui a vendu passeport, qui a fait passeport, qui a bail passeport à des sommes exorbitantes. Ça est bien, oui. Et enquête ça. En août 2021, m'a porté le premier ministre Ariel Henry. À ce moment, monsieur l'ambassadeur Bokchit était tout puissant. Il passait enquête là en dérision. Moi qui t'ai enquête là pour l'histoire nommé Ariel, je n'ai jamais de bon copie là-dedans. Moi apprends récemment que parallèlement FBI mène une enquête, et je n'ai exactement ça nous déjoigne dans l'enquête pas nous. C'est malheureux que l'ambassadeur Bokchit a établi un rapport de cause à effet entre moi-même et l'homme pour t'a montrer comme quoi c'est le rapport ça qui t'a voulu l'aller. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, pas dans le gouvernement et ma bataille contre Ariel Henry et équipe. Donc, probablement Bokchit qui t'a là-dedans. Et puis c'est le ça pour prendre en considération que nous devons rapport sur Bokchit. Maintenant, si l'ambassadeur il mêle dans la corruption à grande échelle. L'ambassadeur a traité avec les ennemis des États-Unis. Et parole là. Si l'ambassadeur a des bagages pour lui reprocher, qu'elle assume ça comme le homme qui passe 32 ans dans la diplomatie. Parce que ce n'est pas possible. Tout à l'heure, on pose, désolé PM, et nous prenons une motion, et son motion d'ordre qu'il y a. Selon information que nous gagnons, bon côté des Haïtiens qui a visé et qui a de gros relations au niveau du département d'État américain, qui sa bagala yé? Bagala pi grave que ça nous a pensé. Et a gen de suivi judiciaire kap fait tant sur le plan national et sur le plan international. Parce que qui s'est passé? Dans le moment où on a parlé là, on a l'autre enquête qui déjà ouvri dans le cadre de dossier. Qui s'est passé? FBI a cherché ou retracé qui quantité étranger qui a un passeport haïtien dans le yo qui ont acheté dans mes tisseurs et de mon bullshit là. Parce que ça passe. Les finons véritables. Alors, les menacer sécurité les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique pas jouer avec sécurité pays. Parce que le peuple, il faut qu'il protège. Le gain des passeports qui vendent avec des étrangers. Faut gouverne tout autant que gouvernement américain, FBI, pas jouer une identité vraie, identité moun sa yote gagné. Qui nationalité qui yote yé avant. Qui action que moun sa ou te pose et réseau qui cause yon vin ap acheter yon passeport haïtien pour 10 000 américains dossier sa pour que jamais fini et c'est kounya ou pral tan de problème et ça comme ap di
yon moun sou konou ap voye monte nan kadre dossier sa, pa même besoin perdre du temps parce que li pa local seulement. C'est Haïti nous tolérer volo. C'est Haïti nous tolérer volo. C'est Haïti nan ministre, il était premier ministre, il était ministre justice, quoi avec poste citoyen. La volo comme l'État, koul vin Haïti yo prop, te li rele nan radio, et puis son de la tout journaliste, dit deux trois paroles pour lui, et puis yo blanchi la justice par rele. Mais aux États-Unis d'Amérique, yo bala, comme si na djou, gen rapport avec corruption. Et menacer la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, et bien justement, li prête à équivoque. Ça veut dire que quelque part, il faut que lui m'ait fait soli. Ça veut dire que moun ki pou paye à payer. Parce que papa qui ton grand monde détruit toute une nation. Et en Haïti, nous qui ton grand monde a menacé tout ton peuple. Et bien il y a toujours. Exemple, n'est-ce pas que SDP yo, n'est-ce pas de Michel yo. Mais dans l'autre pays, ça n'a pas de baisse comme ça du tout. On grand monde ou représente une véritable menace pour sécurité pays, il y a des faits qui ont pris condition pour que pas là. Parce que il est normal, il est de bonne guerre. Mais justement, PM Claude Joseph dit, si Edmond Boshit a traité avec les ennemis des États-Unis d'Amérique, est-ce que son information que PM n'a pas, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est son piste la pété nous, nous ne connaissons pas. Sauf que, dame PM n'a pas explicite. En avance. Pour chercher un bouc émissaire, pour qu'on croit que c'est à moi-même qui fait le recours, il n'y a pas de pouvoir, moi je passe à mon gouvernement, il se précipite à l'opposition à gouvernement, alors que mon pouvoir, c'est moi qui fais le recours. Donc, moi je pense que le petit et ambassadeur Bouchit, moi je pense que ça a petit, moi je pense qu'il faut assumer à tout comme ambassadeur qui, dans la tête, d'après ça, en fait, pas m'en a dit, parce que on dit que moun sa ou vin nan aide, lui ou vin nan aide, n'a pour reconnaître effectivement que l'ambassadeur Sambo Soleil, qui lui-même est directeur général du ministère des Affaires étrangères, que probablement tout de suite après rapport ça, il révoque, que Sterling Civil, qui est ministre conseiller à la mission permanente d'Haïti à l'ONU, il révoque pour rapport ça. Moi-même, j'ai en pire difficulté parce que j'ai produit rapport ça de corruption à Washington, qui implique la sœur de l'ambassadeur et l'ambassadeur. Et c'est le rapport le plus objectif que moi lis depuis que mon ministère des Affaires étrangères. Maintenant, moi, t'as souhaité, avec conscience, ambassadeur, qu'on retire nom de ça comme quoi c'est moi qui t'ai fait révoquer. Moi, pas fait révoquer l'ambassadeur. Après, moi-même, avant, nous venons de rapport. Moi-même, avant, nous venons de rapport. Donc, je n'ai pas fait révoquer. Parce que je n'ai pas de rapport avec Ariel Henry. Je ne connais pas le ministre des Affaires étrangères, des Affaires étrangères actuelles. Donc, je n'ai pas fait révoquer. Donc, ça veut dire que. Ou pas besoin d'essayer, n'est-ce pas, mélanger dans un bagage comme ça. C'est le rapport produit, ce rapport, il était produit pour l'histoire. Comme c'est vérité que nous avons dans le rapport, eh bien, enquête parallèle qui fait, je veux que effectivement, monsieur l'ambassadeur, vous êtes impliqué dans un scandale de corruption à l'ambassade. Vous pouvez présumer, parce que la justice peut prononcer sur ça. Très bien. C'est ça que vous évoquez, mais par contre, pour que ça vous évoquez moi-même. D'accord? C'est ça. Et ça, moi, toutes mes diablis, moi, dit, moi, prends ça, mes diablis, a dit. Docteur Claude. Docteur Claude. Oui. Ambassadeur, est-ce qu'on a une précision, puisque ambassadeur dit, et son fait que lié, son réalité, c'est vous-même qui t'es nommé. Et génome dans la direction consulaire en Washington. Et bien, qui lui-même était impliqué dans le scandale $50,000. Qui vérité qui est dans ça? Non, bien sûr. C'est moi qui ai nommé génome, qui c'est effectivement un membre de l'OPL, un jeune cadre, que nommé. Une fois que impliqué dans la corruption à l'ambassade d'Haïti aux États-Unis, moi révoqué et me fait enquête. Enquête, ça a 50 pages là-dedans environ, qui méticuleusement détaille l'implication de l'homme, mais qui ouvre une boîte de Pandore qui montre nous que niveau corruption qu'a fait l'ambassade d'Haïti aux États-Unis. Ah ouais, alors, c'est une lettre de ILCC. Automatiquement, moi-même, bah, à la fête, moi, informé ILCC. Moi, informé ILCC. ILCC exprime formellement pour dire vous rapport à Bayo. Moi, vous rapport à Bayo. Automatiquement, ULCC lit rapport et le temps de scandale, lit le crime pour demander de mettre mon sao à disposition. Moi, écrit mon sao, je vais mettre à disposition ULCC. Ambassadeur a dit que lui-même c'est ambassadeur, il va pas le dire ULCC.
la sœur de Edmond Bauxite et de Bettina Bauxite, dit lui-même qu'il est petit aux États-Unis, il n'est pas venu devant l'ILCC. Et les autres personnes, Saki Kouri, etc. Mais le dossier au complet est là. C'est-à-dire que moi, j'ai un dossier à disposition. Et moi pas quoi que ce dossier ça qui voulait, c'est vrai qu'on scandale de corruption, même pas que ce dossier ça qui voulait, monsieur l'ambassadeur là, aller. Mm. Parce que tout simplement, l'ambassadeur a sous pouvoir. C'est parce que Ariel Géné, en pire, qui vous fait le voyer Bauxite d'aller. Exactement. Donc c'est pas Claude qui va faire le voyer Bauxite d'aller. Au contraire. Et l'ambassadeur a présenté Ariel pour dire c'est menti, au fait sourire. Tout le monde qui l'a eu, c'est le monde qui est parti Claude là. Mais c'est une belle excuse pour l'attendre. C'est parce que vous impliquez dans des bagailles qui ne sont pas bon du tout. Et bien de l'autre bagaille qui ne sont pas. Moi-même, on ne peut pas prendre chance de parler là. On connaît l'histoire à Dio. D'accord? Mais tant pis, pas nommer non à cause ça. Parce que moi-même, comme ministre, j'ai fait affaire. Et révoqué ce jeune homme juste automatiquement. Et j'ai fermé nos enquêtes. Enquête là-là. Journaliste gagné, je dis, je ne sais pas comment vous faites bien, vous gagnez. Docteur Claude Joseph. Allô? Oui. Vous entendez-moi? Oui, très bien. Et ambassadeur a reproché où? Il dit ça que plus fait le mal et ça ne plus pas comprendre que le rapport d'enquête ça que la commission ou te nommé à terminer, nous acheminé dans l'ambassade américaine. Et il dit par contre pour qui ça? Pour qui ça a été fait si effectivement il s'est dit? Non, du tout. Moi-même, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas acheminé aucun rapport d'enquête dans l'ambassade. C'est pas place pour nous faire ça. Mm-hmm. Nous pas capable jamais faire ça tout. Pour acheminer dossier là, et ça me retourner comme ministre des Affaires étrangères, moi voyer les pas acheminer moi porter même by Ariel Henry. Moi porter. Et comme moment ça, c'était moment où on était mal vu dans le gouvernement parce que nous était opposant au sein même du gouvernement. Et ben je prends dossier au casser faire pour ça. Je pas faire aucun suivi avec dossier là. Je connais la vérité, au grand titan, ou qu'à chercher, barrer ou pas qu'à barrer du tout temps. D'accord? Donc, moi-même, personnellement, je ne vais pas faire ça. Mais il faut que tout, n'enquête ça. Les commissions vont le faire. Vous êtes tellement senti que bien pouvoir, tout ça bien. Il est tellement senti que bien pouvoir, les bout de commission quitte Washington à New York. Donc, il n'y a pas questionné. Il a questionné tout l'autre monde, ou le plus fort monde, parce que vous êtes échantillon. Puis son monde en ambassade là, mais Bauxite parle à le bout de. Maintenant, bon l'autre rapport, peut-être que Bauxite veut parler de lui. Son rapport ministère intérieur, mais particulièrement immigration, qui joue un autre scandale de corruption de passeport encore. Passeport qu'a fait, il a utilisé l'identité de l'autre monde, etc. Rapport ça, il est là, moi bien à la disposition. Les nouveaux, il y a une autre commission d'enquête, Bauxite pas quitté rentré dans l'ambassade là. Imaginez-vous. Une commission d'enquête allée à l'ambassade d'Haïti à Washington, le directeur général du ministère, Bauxite boudé encore le froid, parce que lui dit rapport ça. Est-ce que ça va exprimer que vous pas vraiment un grand ministre affaires étrangères, puisque ambassadeur boudé commission ministère là, et je dis là, c'est dénoncé. Qui ça a été fait, l'ambassadeur a été boudé? Commission pas quitter le rentrer comme ministre. Excusez-moi, oui. Comme ça qui est important là, tout le monde qui a vécu aux États-Unis, la France, le Canada, t'as supposé porter plainte pour tout monsieur ça honnête. Parce que l'on est ambassadeur, ou comme si m'a dit, il y a des gens qui ont payé l'argent pour faire un passeport. Nous avons besoin de passeport, ils sont haïtiens, sont obligations pour ou doué au passeport, faut qu'on baille passeport. On a place pour bailler passeport, et pour prendre plaisir, on a détourné l'argent, on a volé comme là, et puis passeport, on a dormi. On a besoin de passeport pour voyager. La fait 6 mois, 7 mois, le package de nos passeports. Mon États-Unis encore. Le package de nos passeports. Ça, c'est une honte que ça y est. C'est un crime. Par contre, moi, j'ai un ami moi, qui a voyagé en République dominicaine. Et, quand côté qu'il allait, il a cherché le document, le passeport, le Bawel. Mais il était citoyen américain d'origine haïtienne. Et bien, comment ça s'est passé? Il était venu pour te voyager. Rapide, vite. Il est allé à l'ambassade américaine en République dominicaine. Et puis, il a demandé pour rentrer à l'ambassade là. Il est rentré à l'ambassade là. Je ne sais pas même quoi, il fait 3 heures de temps même pour te faire un passeport. Vous comprenez ça, ça veut dire? Je ne sais pas même quoi, il fait 3 heures de temps même pour te faire un passeport.
Et puis, on a haïtien qui gagne des représentants dans notre pays. Là, ils font passeport. Passeport, il prend 6 mois jusqu'à 1 an pour rejoindre. Ça veut dire qui ça? Parce que haïtien nous gagne, son équipe volant qui mette en Haïti, qui est souillé, kidnappeur sénateur, gang député, gang ministre qui mette yo al volant dans notre pays. Yo de, yo pas de sérieux depuis dans pays yo, kounya yo voye l'autre bois pour faire corruption. Dans volant comme l'état, volant comme l'état. Parce que yo connaît la justice en Haïti pas jamais questionner yo. C'est pas qui normal. La corruption, de pour faire corruption, de pour voler comme l'État, ou prendre promotion, ou son gros monde. C'est pour ça. Et comme ça, la justice là en Haïti. Ok? Ça veut dire que bien, ils volent comme l'État, ils sont gros paletots, ils sont gros tôles, ils sont gros babines. On nous finit de Dr. Claude Joseph par la suite pour nous entendre Edmond Bauchit. Des affaires étrangères. Non, pas de tâte. Tout le monde dit qu'on Bauchit. Comme ça, je dis, le combat qui existe, c'est entre Bauchit et l'actuel ministre des Affaires étrangères. Bauchit a éclipsé le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères j'ai une bonne occasion, mais vraiment c'est pas lié, vous voyez Bauchit aller. Tout le monde dit qu'on Bauchit pendant 32 ans au sein de la diplomatie haïtienne, c'est ce comportement qu'il a. Même côté, même voyez l'aller, il n'a pas envie d'aller pour contre lui. Il faut que lui joue un bagage pour lui pour montrer que eh bien, il est un saint. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui connaît Bauchit dans la diplomatie, c'est comme ce comportement, la caille Bauchit. Donc, il faut qu'il assume comme grand monde, n'est-ce pas? Il faut qu'il assume comme grand monde. Moi-même, personnellement, et m'a dit ça clair, mon papa, moi, je produit la pour parce que faut que je fasse. Je te remettre avec le supérieur hiérarchique, moi, qui était Ariel Henry à ce moment. Ensuite, il y a le CCT qui m'a copié là-dedans. Parce que moi-même, je veux contribuer pour faire ça, pour mettre en fin. Et comme d'où, c'est pas. Et pour crédit Bauchit. Réseau mafieux ça qui existe à Washington, non, il précède Bauchit. Maintenant, Kounia, Bauchit probablement, moi je dis probablement, car il alimente elle, mais il précède elle. Il précède Bauchit, même le Bauchit est ministre des Affaires étrangères. Maintenant, Kounia, l'ordre d'un ambassadeur, c'est où pour mettre un frein avec lui. Si on met l'apprendre une antenne dans Maryland ou dans Salisbury, et puis FBI a suivi pendant un an, pas jamais comme ça, mais l'ordre prend un problème, qui a joué au monde pour prendre prétexte. Docteur Claude. Gagné, ambassadeur, en débat en précision. Gagné, en lila tout. Gagné en commission qui te vine l'autre bord. Dans le rapport que vous te voyez faire, il n'y a pas une trace ça qui dit question antenne consulat qui te ouvert Maryland. Eh bien, mon cher, bon, du magaï. Ouais, il y a un bagay qui rapport. Ouais, faut que vous chiez le rapport. Il y a un bagay qui dit, on est capable de dire, qui puisse expliquer explicitement le rapport, qui sont vérités, c'est. Antenne consulaire ça, lien de rapport. Lien de rapport. Hein? Donc, alors que de l'autre entité parallèle par mener enquête, il y a même enquête plus approfondie au parallèle. Une antenne consulaire que Haïti pas connaît, donc ministère pas connaît. Une antenne consulaire que pays ou accrédité là-dedans n'a pas connaît, c'est un bagage qui est illégal lié. Est-ce que vous voyez? C'est plus simple. Maintenant, pour nous, c'est qui? Et ça me da capable de lire. Implication et ancien ambassadeur Bauchit ou bien Bauchit tout court et une question ça on pas connaît est-ce que lui-même le joue est-ce que lui innocent etc mais comme dit où il y a un paquet d'autres dossiers qui ajoute à ça qui fait bagage ça vient son un gros problème pour et ancien ambassadeur Edmond Bauchit avec tout respect que nous avons lui m'a dit une prochaine fois la paix intervention, éviter chercher un bouc émissaire. Moi, par contre, en une révocation, parce que même des ministres, ça fait que je ne pas taper révoquer. Parce que vous êtes impliqué dans la question de secteur côté photo qui est dans la rue, moi, convoqué dans le ministère ou pas venu. Et Ariel dit ou pas venu, je ne moi. Attention, hein. Donc ça veut dire que même des ministres, ça ne fait pas révoquer, ce n'est pas même pas ministre qui ne fait pas révoquer. Hein? D'accord, et il y a beaucoup plus de choses comme c'est des hommes détanouillés, on évite de parler de eux, mais on n'a pas faire le problème des ministres, parce que tout simplement, ou t'es passé dehors, ou t'es dit Ariel, c'est où tu fais là? C'est pas moi, mais c'est, si c'est pas tout même, c'est moi-même qui t'a premier ministre. Donc Ariel, quoi dans soit de yo, ou manipuler Ariel, qui fait que Ariel Badjan t'a suivi sur de ces corruptions. Yo. Donc on y a, mon cher, ne cherche pas en bouc émissaire, en la personne du docteur Claude Joseph, okay. Quoi c'est moi qui est responsable. De cette révocation
malencontreux. C'est pas bon. Ok. Et Dr. Joseph, je vais prêter sur lui, puisque l'ambassadeur là, n'a pas permis que le réagir. Ambassadeur, nous sommes chez là. Comment nous fermons le micro, nous allons seulement à ministre Joseph parler. Notre ambassade américaine, vous voyez, par le gouvernement américain, il fait référence comme suivant. Après avoir l'ambassade des États-Unis d'Amérique, après avoir reçu une correspondance datée de août 2021 du ministère des Affaires étrangères, mes amis, c'est clairement l'écrit. C'est le ministre Claude Joseph qui a envoyé le rapport à l'ambassade. Il est clairement dit dans la note de l'ambassade. Mm-hmm. OK? La deuxième chose. Je parlais de ondal bagage de corruption, même pas quoi attendez. Je pense que si on enquête sérieuse qu'a fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il faut nous carouer. Et moi, monsieur, éviter de parler de Gélon de cousin. C'est ton cousin, Claude. Ou pas gagner le jour. Et si on enquête sérieuse qu'a fait sur le ministère des Affaires étrangères, je suppose que tout problème ministère. Plus gros cas de corruption, c'est pas longtemps là. Tout le monde connaît que vous avez augmenté le budget, toute ambassade pour le gain, ambassadeur pour le météo, vous avez doublé le budget. Tout le monde connaît ça. OK? La deuxième chose, tout le monde connaît, tout le côté où vous mettez ambassadeur, vous mettez des administrateurs qui parlent. C'est parce que vous avez un plan. Et moi-même, à Washington, le fait que je n'ai pas de contrôle sur le monde, parce qu'ils ont toujours dit, d'abord, ce sont des fonctionnaires, nous allons arrêter qu'on s'amène de Haïti, on va avoir une autorisation, on va demander de procéder. Parce que ils sont des autopuissants. Ils ont fait tout le bagage ça, parce qu'ils connaissent aucune protection de leur ministre. Qu'on est là, si monsieur gagne une action imposée, c'est normal, ou dit que vous êtes révoqué immédiatement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai été l'homme des 12 ans, on dit, bon, quitte au régler ça. Après, moi, je m'avais informé pour le ministre. Mais pour le premier ministre là, ou bien travail jeune premier ministre là, oui. Après, le premier ministre dit, mais voilà ça, il dit pas l'ambassadeur, il pensait que son cas grave, il est obligé de faire. Et vous-même, il a demandé de faire l'état en fait. Mais on n'a pas de intention pour te faire au départ. Ça, il faut dire la vérité. OK? En plus, vous parlez de une enquête ministère de l'Intérieur, qui. Ça, c'est une enquête ministère de l'Intérieur qui ne concernait pas l'ambassade, il est concerné unité passeport là seulement, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Si il y a un bagage comme ça qu'a fait, nous on dit que il a fait, c'est ma fait pour pas etc. Avec un monde dans l'intérieur, la pelle, il n'a pas qu'à faire pour quoi. C'est-à-dire, il faut nous identifier le monde ça, nous on dit guerre. C'est un fonctionnaire. L'unité de passeport, moi je voulais faire dire ça pour la compréhension du public. L'unité de passeport qui est l'ambassade là, moi je n'ai pas gain contrôle sur lui. Mon chef de service, lui représente le ministère de l'Intérieur, nous-mêmes ça nous gagne un rapport, nous gagne avec son rapport administratif. Nous payons le salaire, nous payons l'assurance, nous gérons les questions projet. Mais l'opérationnalisation de l'unité de passeport, pas dépendre de l'ambassade. Même moi, même comme chef de mission, pour monter en l'air, je ne vais rien clé. Pour me relayer, pour me frapper, pour me frapper. C'est-à-dire, c'est une unité totalement indépendante. Mon niveau, c'est eux qui gèrent la tête, c'est eux qui prennent des décisions. Donc ça veut dire, si le passeport est fait, ou même, ou pas aucune responsabilité dans ça. Non, il n'y a aucune entrée dans la question d'opérationnalisation de passeport. Parce que l'unité à son unité indépendante, lui, est un chef de service. Et malheureusement, il va en parler de lui. Mais avant lui, depuis qu'il va être passé dans l'ambassade d'Haïti, pourtant, à Washington, pourtant, l'unité des passeports est autonome. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Si je rentre là-dedans, c'est le chef de la capouvrie, moi, je vais rentrer pour me rencontrer. Si je rencontre avec eux, c'est l'ambureau, mes vidéos, si il y a des problèmes pour nous ensemble, qui problème qu'on va résoudre, problème de la vie là. OK? Nous n'avons aucun contrôle sur question ça. Question de formule, oui, même après la commission ça, qui devait venir en août 2021, depuis lors, moi décidé pour nous mettre, pour question formulaire, pour nous mettre deux cadenas là-dedans, deux clés, pour que tout le monde ne rentre sans l'autre. Ni passeport tout, ni livret passeport. Yo. Parce que si tu as avec une passeport là, je me dis, mais ça n'a pas fait. Il y a deux clés comme commission a été recommandée, mais commission a été là.
n'a pas fait comme ça. Et aucun consulat, aucune mission, les envoie un formulaire, moi dit dorénavant, par un formulaire, pas une mission comme ça. Pour une mission, pour une note, pour faire une requête, après pour faire une note, pour nous transmettre les balis, pour nous connaître de tel numéro à tel numéro, à signer à telle mission. Comme il est quand même. Washington, moi, je suis unité passeport, il n'a même. D'ailleurs, c'est dans le local ambassade là que l'IE. Et qui rapport nous développer avec eux sous plan administratif? Pardon? Qui rapport? Qui rapport ambassade a développé avec unité passeport sous plan administratif? Non, non, sur le Abamsoudoulis, question administrative, c'est nos pays, c'est l'ambassade qui paye au salaire, yo. Mais vous parlez, c'est pourquoi j'aime souligner tout. Il faut que j'aime souligner le rôle celle-là à jouer. Il faut que j'aime souligner dans un moment côté que. Et tu gagné les bordés, ça veut dire que c'est un week-end à New York et pas de gagné, pas de gagné, c'est pas du travail. Je ne suis pas souligné que seulement tu as imprimé n'est pas 12 passeports et passeports yo tout le monde alors gain des doutes que passeports yo puis pas gagné avec haïtien même c'est des passeports qu'a imprimé pour une série des étrangers pour une série des sommes tête chargées. Il y a des gens qui parlent de 10 000, il y a des gens qui parlent de 15 000 et son bagage tête chargé. Ça veut dire que corruption et à l'ambassade d'Haïti à Washington sont vérité parce que si le département d'État capable de fouiller puis le fond dans quatre dossiers, dans le niveau ça, pas de sortir de là encore. Quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans, il y a mettre non public. Si Claude Joseph est impliqué dans un cas de corruption, eh bien, non à public. Parce que tout le monde qui est en volo, tout le monde qui est impliqué dans la corruption, c'est des ambassadeurs, des gens qui sont accrédités aux États-Unis d'Amérique, eh bien, tout le monde a demandé pour quitter les États-Unis d'Amérique avant le 1er juin ou le mois de juillet qui vient là. Même j'ai été fait, pressé, tellement au peur et de mon bullshit avec toutes celles-là, ils ont demandé pour quitter les États-Unis avant le 1er mai. Et rapide, vite, vrai, nous avons été courts quitter les États-Unis avant le 1er mai avril. Parce que sinon, il pas déclaré aux personnes non grata, il était capable peut-être de l'autre bagarre qui était capable de passer. Nous avons été obligés, même si ce n'est pas là, mais nous avons quitté l'autre bois. Parce que la grave, et ça que corruption, il existait l'autre bois, vrai, et que ce n'est pas ici. Hein. Si c'était Claude Joseph seulement qui était produit en enquête, mais justement, on était capable de dire, et ça qui arrivait, ou pas fin faire confiance avec une enquête que Claude Joseph Green lui-même produit. Un peu le monde a dit quelque part, il ou pas faire confiance avec enquête Claude Joseph. Mais c'est le FBI qui a toute possibilité, qui a tout matériel pour mener une enquête solide. C'est le fouille bien dans le dossier, et puis il mène enquête li, et puis il baille rapport d'enquête là avec le département d'État américain, le gouvernement américain. Et puis le gouvernement américain tranché comme ça, mandé rapide vite pour que plus passé. Alors il a épinglé plus passé. Et 41 diplomates haïtiens qui n'ont corruption. Et gan pile nan moun sa yo qui déjà getan doté yo de un autre passeport, qui sont passeport américain pendant que yo effectivement a pu toucher l'argent taxe pays et comme ça yo pas déclaré États-Unis, son paquet l'autre bagaille. Dossier compliqué et en pile nèg impliqué dans corruption, en pile l'autre parole a parlé. Voilà, an nou fou coup de patte dans la coupe pays d'Haïti, dossier kidnapping peuple haïtien. Boakale a pired. Pour tout nèg qui kon a dit nèg belè kempès pendant kidnapping tin Rosmi tinon Rosmi la petit frère là an nou tande reprise alon porte-parole groupe gang belè a k'ap pale nan micro la presse an nou tande puis n'a comprendre et puis n'a tout rentrer nan Boakale update là nous pral konn exactement qui ça qui pral fait comme activité nan cadre opération Boakale nan Port-au-Prince an nou tande jeune garçon ça qui est porte-parole groupe gang terroriste kidnapper Beléo en Otandel. Il y a pour le monde capable de t'entendre. DCPJ, mine enquête tout. Kempes, à Kempes te pour nous. Nous bien batikay et Kempes. Si vous va à l'école et Kempes. Kay pour payer et Kempes. Pour batikay et Kempes. Pour faire programme, c'est Kempes. Pour faire sting, pour nous faire fête, c'est Kempes. Mais je ne veux dire, pas population pour payer ça pour nous. Mais soit dit un tel kidnapping ou courir des kidnapping. Mais soit sérieux, pas comme monde qui veut la kidnapping, pas comme monde qui t'a mis kidnapping. Moi m'a regardé là, m'a regardé dans vidéo pour mes jeunes qui massacrer un petit fille, il a boulel à gomme.
à gom soi-disant gom plastique yo y a boulé attends moi me balance mes kidnapping l'autre monde qui a suivi les équipes de kidnapping ouais détruit la vie monde et détruit au monde. Au monde qu'on a fait mon prendre quatre fois pour kidnapping, je le dis à balancer tes kidnapping, balancer mes kidnapping. Mais sous pareil mes kidnapping, pas de propre kidnapping. Sous pareil mes kidnapping, pas de bénéficiaire de kidnapping. Soit disant, on va parler de Kim. Mais on parle de Kim Pes. Mais Kim Pes parle en belle encore. Kim Pes ou à propre bouche parle. Zemil de gagne au trahil. On zone pas venir encore. Zemil de gagne au trahil. Vraiment, Zemil, c'était Angelo, Force, Timono 90, tant d'autres l'autre encore. Yo Mario, Mario, Daniel, Pedelis, tout le monde qui c'est un tebou Zemil. Je ne sais pas si tu suivre. Est-ce que c'est pas petit belé ou yo? Oui, je peux mettre petit belé, mais plutôt petit belé, mais plus en bas, Solino. Mettons, soit tu as un partenaire qui t'a dit, monsieur, les 10 ouas, la population pas ta veine. Les cabrites grillées, la population pas ta veine, mais je le dis. Et pas peuple là pour côté, responsabilité ça. Mais si quelqu'un ne baisse pas là encore, mais en haut, on a perdu des mouilles matin, midi, soir. Trois voies là, où tu es qui sont tués. Et où tu es qui sont tués là. Comprenez? Allons seul balle la tête sous prétexte moun belé ni mouri. Pourquoi gardons l'autre deux éléments sous moto? Comprend? Qui sont là Matisse. Mais nous gars pas là bandi, yo tue deux éléments sous moto, tue sous prétexte bandi. Tue nèg ça. Mais chien k'ap manje en roi dans corridor Bassia. En face de Giza. Chien râlé yo, li mete la boy pa pa nan. C'est un dialogue tout et tout moun ça. Mais en sérieux je le dis ya. Mais il t'a oublié. Nèg oublié, Mario Bitovin, nèg oublié. Mais nous faut pas la kidnapping. Nous mettons le plan. Kim Pes qui mettons le plan pour nous. Deuxième kidnapping, mettons le plan pour nous. Troisième kidnapping, nous mettons le plan pour nous. Quatrième kidnapping, nous disons autant. Mais pas en mime. On ne va pas bagarrer la vie pour la population qui revive. Pour la population qui survive. Pour qui ça nous fait ça, monsieur? Population Solino, population Bassia, levez cap. Et bien, personnel kidnapping, nous avons réglé. Mais quatrième kidnapping, non. Si on prend un problème en plus sur nous payons plus quoi pour kidnapping. Mais par exemple, la population pour payer bah, cher ça. Et la population pour payer bah, du ça. Vous voyez, la gado caille. Et la jeune ville, j'y bâtis. Là, car ça. Et la jeune ville, moi, si mon oboué, basse 90, Emmanuel qui ça, moi, elle boué. Et la jeune ville, j'y bâtis. Et la jeune ville, à qui qui moun le baou là. L'équipe de sa bocot, quoi qui moun le baou. Oh, on a fait comme ça, monsieur. Qui ne baisse pas jamais, mais fait nous faire bagarre bien. Oh oh. N'a pas profité de la circonstance qu'on a mis le peuple à la noire. Peuple Solino, peuple Bassacalé, genou vers genou. Vous nous dire, c'est qui ça l'a réglé là? Ma population, elle va être contre vous. Mais c'est sérieux, monsieur. Lisa, l'idéalisme, vous a fini. Mais la vérité, vous avez dit, vous a fini. Parce que nous faisons bagarre ça, nous mettons l'antisami. Deuxièmement, sous ma politique liée, nous faisons comme le gouvernement. Nous faisons comme le gouvernement. Nous faisons comme le gouvernement. Fil crasé et zone. Solino Bassia, nous avons péri là. Nous n'avons pas vivre. Leur propre force. Alors, les nationaux et plusieurs zones avoisinantes, les gens dans Solino font connaître que c'est côté gang belé à bataille. Non, 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 non. C'est même les gens qui ont fait la réaction. Même les gens qui ont fait la force. Et Romario. Yola, Daniel, yola, tout là. Yola, c'est eux-mêmes qui ont fait la réaction. Eux-mêmes qui ont fait la réaction. Policiers, ils ont oublié. Donc on fait d'abord 3, d'abord 4 kidnappings et qui va se trouver à l'Albaï Sérieux pour eux. Alors, sans parler là, c'est que contrairement à ça, vous ne te comprenez pas. Voilà. Nous, même pas lui-même. Oui, ma baille la vérité. Qui baisse pas 100 000, je me suis même. Ma baille la vérité. Parce que la population plein là. La population dit, bon, monsieur, si il y a un conseil qui a passé en Belé là, nous ne pouvons pas parler. Pour ça, nous ne parler pour le monde capable de t'aider, pour le monde capable de boire, pour le monde capable de vivre ça, l'Abdi là. Moi, ma baille, vous avez des CPJ. Prends, tendez ça, Abdoula. Mets une enquête, prends sur ça, Bitou. Eh bien, rankin pour kidnapping de la fête là. Tout pas au cop qui va venir, pas au cop qui me laisse pas y mettre là. Même là, ouais, mouton là, là-bas, si avec cop, mais grand bayo. Pourquoi tu m'as vu le caponné là? Ou pas, mais kidnapping, ou pas de vieux kidnapping, ou pas de vieux kidnapping, ou pas de kidnapping. Puis si tu as l'école, le cop kidnapping, quand vous payez le cop kidnapping, ou à faire fête, le cop kidnapping, mais je ne veux pas dire. Et moi, je suis capable de kidnapping. C'est où le cabaret de kidnapping? C'est l'autre qui est capable de kidnapping. Dis-moi, moi, j'ai cop d'un, ou bien la révolte pour lui. Alors, on s'en politise ça aussi. Chita, fait kidnapping, vine balle. Voilà, vine balle, Kempes, Québec, Kempes. Attendez bien, vous avez ici. Vous avez ouais, vous avez fait kidnapping, vous avez débloqué, vous avez fait kidnapping. Parce que la police, là, elle est dans le monde. Mais je ne veux pas dire.
et ma population propre. Ma population basse. Et on a un solide homme. Un bel homme qui appelle. Mon cher Guerrero Mario, Beethoven, ou bien Junior, ou bien Tibobo, ou bien Force Daniel. Mon ne sont pas capables de faire des gens. Est-ce que ce sont des policiers qui. Bon, il y a en fonction, il y a pas en fonction. Ouais, là, Nazon, Angelo, si on est dans le business, 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 il faut que ça suspende. C'est vrai qu'on est dans le brigade d'affaires. Menti, va y brigade. Affaires personnelles, menti. Mais affaire Bracalé. Monsieur, affaire Bracalé, le peuple a été sorti, affaire Bracalé, t'as beaucoup de monde, mais il faut le constituer. Et bah, personne en bas, de vous dire en bas, le village est là, c'est pour vous. Et parce que vous n'êtes pas d'accord, ça vous dit non, nous ne pouvons pas travailler pour les policiers. Voilà. Et alors, moi, aller ça, son façon pour que nous comprenions aussi des gens qui ont défendu M. Belayo et que M. Belayo pas dans le kidnapping, il pas dans tuer les gens, il pas dans faire des actes malhonnêtes. Nous devons comprendre ça, évidemment. Parce que bataille ça, et question de kidnapping dans le pays d'Haïti, nous devons connaître tout secteur qu'on a fait. Yo. Et je dis, kidnapping dans Port-au-Prince, il faut que nous clés sur ça, nous finissons avec ça. Nous finissons avec ça, nous faisons bandit pas qu'à sortir, qu'on a dans une niche kidnapper pour nous prendre kidnapper. Yo. Parce que je dis, papa, ici, ça encore une fois. Si nous t'avons quitté, si l'appli existait, nous avons de kidnapping, nous avons une pirate qu'on connaît. Si nous t'a quitté, si groupe kidnappé qu'on sorti dans la rue, vient kidnapper moun nan, comme si nous avons dû résister jusqu'à ce que nous baillons vague, garantie nous beaucoup jambes contre douleur. Le ça, chaque moun yo prend, non seulement y'a prend comme la foutu moun nan medel. Et chaque lè y'a kidnappé moun, y'a tué moun, ou bien y'a fise moun nan, lè ou vokote yo du moun nan, mais yo pas kapale. Si lè sa prend fait crime. Mais comme moi, ouais, Bouakale a go extension qui la prend, moi dit oui. Faut que la population continue à kembe Bouakale l'emmène parce que Bouakale a, c'est une grande solution qu'elle gagne qui est capable de sortir dans ça qu'elle trouve là comme problème. Définitivement. Parce que si nous prenons toutes deux semaines là, papa, deux semaines plein conzu, par contre, kidnapping qui fait, ça veut dire que quelque part, nous sommes vrais routes là. Nous pas déroutés. Est-ce que vous comprenez? Nous pas fait courater. Et ouais, bandit, vous pas à l'aise. Si vous voulez, c'est un homme. Il pas qu'à faire une vidéo là, Kali, pour que ça, ils ont pas fait une vidéo là, Kali, dans le village de Dieu, pour la voyer, montrer, bah, ça, fais-le. Ou pas capable. Sniper à p'tan, non, t'y voler, sans sale, t'y kidnapper, assassin, t'y gang sale. Ou pas qu'à caler corps. Et hier, chef gang Izo fait un live, et sous TikTok encore, eh ben, dans la live Izo, il y a un paquet de monde qui monte en bas live là. Un paquet de monde qui monte en bas live là. M'a dit que, jodi a, nous avons une situation qui est extrêmement compliquée. Parce que nous avons bataille avec des kidnappés, avec des terroristes. Là, yon haïtien, ou monte, en bas yon live ISO, sous TikTok, ou commente, ou dit ISO a fait pa ou, kembe la bon bagay, ou met à temps nous, next moon que yo pral bay Bouakale ya, quel que soit contre en Haïti ya, c'est ou même que la pied. Parce que de fait, ou identifié tête comme kidnapper, comme partisan kidnapper, et le plus souvent, c'est nous qu'on pi danger parce que c'est nous qu'antenne yo. Ou tellement pas peur, ou vin fait solidarité ensemble avec le public, en bas on live que la fait. Quel que soit haïtien tout. Abdil, Jacques Mte Dil, dans plusieurs émissions qu'on en fait déjà. Quel que soit haïtien, quand t'as vivant dans le pays ya, ou à l'extérieur pays ya. Et pour prendre plaisir ou à monter dans live avec chef gang sa yo pour dialoguer avec yo ou pas besoin qui pour quel que soit l'ovine en Haïti ya manchette pour la préserver caoutchouc pour la préserver et peuple ba ou Bouakale pour là et son responsabilité qu'il y a faut que nous pas jouer avec kidnapper faut qu'on connaît que loi vivant dehors pays ya loi parler avec un kidnapper sans courage ou pas courageil pas prêcher kidnapper nous pas faire bac avec ils ont encore. Ils ont se mouri pour le mourir, pas qu'à réparer. Pas rien qu'à faire avec ils ont encore. Pour volume, mon ex a tué. Volume, l'argent au moins dans la vie. Yo. Qui sont capables de faire dans la vie encore? Pas de prison pour criminel ça. C'est cimetière que lié. L'homme, on vient pas la veille. Pour remonter moral.
fait qu'on est que yo alors si vous capable parler avec ou acheter rad pour lui tout fait mallette pour lui tout on va jamais connaître mais préparer ou et laisse sa photo là sur toute pardon là sur toute plateforme média en ligne là sur toute miniature nous là sur toute table nous il n'a fait post pour n'a facilité pays à comprendre. Est-ce que comprendre qui est-ce qui a participé dans le live avec Izo? Et ça que nous vient dire qui est extrêmement important et que nous dit le sang calé bois calé tout red. Tendez bien. Là yon haïtien jodi a ou gen micro nan mou c'est artiste. M pa gen problème avant bois calé sous te qu'on a joué village de Dieu. Tendez bien oui. M pa gen problème avec avant bois calé. Sous le qu'on a joué village de Dieu pour Izo soi-disant qui te qu'on a dit faut que nous vienne jouer pour monde qui monde dedans yo et pas tout monde dedans dans mouvement mauvais zac ou te qu'on prend ça comme prétexte ou te qu'on dit bandi a se menacer la menacer ou et ou même tout parce qu'on a pays a ou obligé à le jouer m'a dit jodi a pour nation pour la république quel que soit artiste là quel que soit tendance là quand joue pour un chef de gang dans pays d'Haïti. Et l'on a sorti et pour la police fizye ou. Et la police gagne une légitimité populaire là pour le fizye ou. Avec tout staff ou ensemble avou. Et pour le faire. Parce que je dis à que nous clés sur ça. Bandi a pas supposé jouer un co-homme. Bandi a pas supposé jouer un monde de bien. Vin bal co-homme. Vin vrom si bal à collade. L'on vin en dan. Comme artiste. Ou ap joué. Chale monté. Et puis bandi a plongé. On vene si ba ou. On remi ba ou. A plongé une bouteille de l'eau ba ou. On prend plaisir. Et si son camion matin dit qu'il était volant, que on était rangé pour l'idée. Fiel ou pas le péter comme artiste vicieux, comme petit volet. Le ça, on fout mourir. Mais si ou pas prendre boisson rangé en dedans pour fiel ou péter, le l'absurde de yoa, la police a pété tête. Et pour nous suspendre le jeu pour bandi. Ça de ce. M'a dit pour avec tout le monde qui a le jeu pour bandi déjà. Mais à partir des mouvements pour caler peuple là, quel que soit nèg qui a le jeu pour bandi, c'est qu'au sale mouvement pour caler peuple là. Si tout pas qui était mourir. On finit samedi là. Il n'y a pas de solidarité avec Bandi. La police continue à mener opération sur Matissan. Chef gang n'a pas à l'aise. Bout gang salizo. Ils ont eu César. On a des informations sur Matissan. Matin là, on a dit que c'est confirmé depuis hier, depuis semaine passée, depuis le mouvement Bakale a frappé, la police nationale pas jamais lagué en bas. Oui, oui, peut-être. Tout le monde dit que la police, oui, c'est que l'ambassade américaine, c'est archifo, peuple haïtien. Suspect qui le monde qui a fait, c'est à détourner l'esprit, il a fait détourner attention nous. Pas de question de l'ambassade américaine qui a passé instruction à la police. Pas jamais de barre comme ça. Pas jamais de barre comme ça. Affaire, oui, et l'ambassade américaine, relé à Ariel Henry, dit Dili, et fait Charo retourner. Pas de barre comme ça, peuple haïtien. Pas de bagaille comme ça. Bien, bien. Ok? Bien, bien. Et c'est moi, Esaïe César, qui confirme nous que la police nationale a pied d'œuvre au Bicentenaire, la police nationale a pied d'œuvre sur la route nationale numéro 2, à savoir Port-à-Léogane. Ok? Il y a des blindés qui en bas, les gars ont fait stratégie pour capable d'entrer dans le village. Il y a l'armée d'Haïti qui a des matériels qui ont fait route pour monsieur. Donc, il n'est pas aussi facile pour nous penser que je dis à la. Village de Dieu, Grand Ravine, c'est un bon matin, on y crée, okay, et puis on crase, bagaille brisé, fini. C'est pas comme ça. Donc, opération, qu'on fasse le fait, il y a le mode opératoire, ok? Il y a le mode opératoire, on va s'organiser, et c'est ça qu'il faut, hein, avant que on fasse toute opération, qu'on passe de bagaille qui doit faire. Donc, pas occuper le monde, quand nous, ambassade américaine, voyez instruction by Premier ministre, voyez instruction by OI, pour faire les blender, faire, ok? Pas de bagaille comme ça, fait pas ici. Occuper le monde sur les réseaux sociaux, c'est bandit, c'est même bandit qui a battu pour affaiblir l'institution police là, de façon à ce que pour ne pas prendre bois calé dans notre niveau. Donc, okay. Nous faisons plus attention et faisons suivre pour nous. Monsieur Gagnon, il y a un faiblesse dans ce moment où on a parlé là. Oui. Dès qu'on a fait déclaration, la montre, c'est la montre, c'est un faiblesse, Ok? Donc, ça veut dire que, pas battre pour affaiblir l'institution police là, ni le monde qui a information, c'est partager avec la police, de façon à ce que, eh bien, pour que le mouvement bois calé là, fait non niveau côté de la police nationale à bail monsieur Boiscalé Jean de Bayol et que peuple a lui-même va accompagner la police et c'est ça qui est important nous assistons nous depuis la police campée en bas depuis le peuple à bail Boiscalé en haut pas jamais de kidnapping dans la région métropolitaine non sinon que
moun ki passe pour te pété bay nèg yo en bas. En parlant de moi, c'est ma zone m'absent. C'est ça que m'a demandé Fonz LB. M'a demandé Fonz LB, dégager, check on l'autre bende, pour aller sur route matin. Pour que accompagner les chauffeurs de transport public, ok, transport en commun, pour qu'on va aller, moun ka fait dans le Grand Sud, pour y aller sans problème. Et c'est ça que m'a demandé Ariel, m'a demandé pour M. Directeur Général LB, pour dégager le coup de Jezak, pour l'autre bende, sous zone. Et Matissan, qui donc la blende a campé dans la zone Saint-Bernadette, ok? Si il y a possibilité pour nous voir l'autre blende tout, qui campé dans pointe liée à la lettre, de façon à ce qu'il est capable de gérer la question ça, parce que nous depuis l'air. La police a fait l'avion d'aide dans le sous-bissantéa, il n'y a pas qu'à monter. Pas de la passer pour aller l'air qui tape le monde pour descendre avec elle. Donc ça veut dire que la police a pied d'œuvre. Pour occuper le monde qui a fait connaître, ambassade passer instruction, ambassade passer l'ordre. Pour que et pas qu'il y ait opération à mener. Opération à mener, les boules mener. Donc, nous ne connaissons pas qui est opération à mener, seulement la police à pied d'œuvre, la police à travail. Merci en pile, Esaü, César. Alors là. Voilà, la police toujours en mode opération, en mode opératoire dans la zone Matissan. La police toujours est sous dépit militaire. Et je m'a dit que juste une minute à parler avec nous là. Moi-même, j'ai un bon genre d'information. La police est en bas toujours. Et chef gang village de Dieu. Et Lina Gravine, ça va décourager les policiers parce que les policiers ont dit eux-mêmes, ces villages de Dieu, même ils ont écrasé. Ok, ces villages de Dieu, même ils ont écrasé. Automatiquement, ils ont écrasé Kaloche gang. Nan. Gang nan fin fou, ils ont cherché parce que pour que les cachent col, pas oublier. Le ISO, chef, le chef village de Dieu, le Gravine, les soldats, le Karon, l'autre chef gang, ou soldats pour venir, ou pas gong Kaloche, ou pas gong côté pour être. Définitivement, la police a finement, le village de Dieu, bien man, écrasé le plat. Foutouye tout bandit avec tout complice bandit. Quand dans le village, parce que tout le monde est dans le village, tous ces volants, tous ces gangs, devine foutouye tout, nous débarquons, nous mettons sur Gravine, nous foutons dénicher Gravine, le Sahara nous finit avec Bastion Gang, qui a produit, alors qui a alimenté toute l'autre base gang dans le territoire. L'autre bagage que m'a dit qui est important, qui est extrêmement important pour le pays encore. La police nationale d'Haïti et tout citoyen dans la population haïtienne. Surtout pour les citoyens. Ma petite histoire aujourd'hui, nous avons une possibilité pour que nous fassions la police confiance, pour nous partager information avec la police. Pas qu'il y ait rien que nous qui suspecte secret. Dis n'importe ça nous, n'importe qui nous suspecte nos zones. Si nous pas balboa calé, si nous pas questionner pour nous balboa calé, relez la police. Sinon la police qui mérite. M'a dit la police. C'est extrêmement important pour nous fouiller quelle que soit ambulance qui a couru bien fond dans la capitale là. Quel que soit ambulance là, faut que nous fouillions. Et nous clair sur ça, quel que soit ambulance là, faut que nous fouillions. Faut que nous questionnions l'ambulance là. Si son malade qui l'a dedans, on nous checker toujours. Qui malade que lié? Si son bandit, on vérifie toujours. Parce que l'ambulance, on a utilisé pour porter des cartouches, pour porter des armes, pour porter des soldats, aller renforcer l'autre base. L'autre coup pour tuer Koukoua, ou qui nous a encore bien, a couru là tout doucement. Ou pensez son cadavre qui est là-dedans, parce qu'il n'a pas couru fort, si fleur bagaille sous tête li. Son 10 nègres à manche longue qui est là-dedans, qui a traversé pour aller à l'autre base gang. Nous comprenons ça, ça veut dire? 10 nègres à manche longue qui a traversé. 10 nègres à manche longue. Dans Kobia. Pour elle porter renfort dans l'autre groupe gang. Et c'est moyen de transport ça qui m'a dit utiliser pour sécuriser dans la ville normalement. Chef de gang n'a besoin de l'en fait. Par exemple, vite l'homme besoin de l'en fait, Mazisan, soit l'utiliser en Kobia ou du moins sur ambulance. Et vite l'homme dans les mêmes comme Massissi, il a déguisé l'enfant. Pour le mettre rad blouse sur le fond de son médecin. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais un mode de fonctionnement. Ça, lui-même, les policiers ont une technique dans la main. Que les policiers ont mis sous des pieds militaires pour qu'ils soient capables de jouer une solution définitivement avec le problème. Ça. Parce que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Pour ne pas kidnapper les gens dans le pays, encore pas tourner dans ça. Par contre, kidnapping qui fait dans le pays depuis le bois qui est lancé. Tout le monde peut. Mais si bandit peut, on continue avec Bouakale. On a le déniché bandit dans la base. Parce que c'est à l'aise ou pas à l'aise, oui. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'aise ou pas à l'aise. On avance.
Justement, c'est confirmé, encore, et confirmé par Esaïe César, Jean-Claude Dabzi d'ailleurs. Donc, la police nationale d'Haïti, donc, a fait Tekboun, ok, dans le village de Dieu. Tekboun, qui est à côté. Ok, donc, mais pour le moment, pour gagner et opération, et réellement, mais la police très présente, donc, dans la zone de village de Dieu, dans le parage du village de Dieu, donc, il a pu contrôler la situation. Il est très présent. Alors, Jean-Claude dit là, dans pile intoxication donc, au niveau en fait, des réseaux sociaux. Donc, et normalement, l'information assez claire, c'est que la police en est dans le village de Dieu. Alors, a fait tout ça qu'elle connaît pour que ils rentrent au village de Dieu parce que monsieur occupé tout espace dehors, ok, tout périmètre dehors. La police occupe tout périmètre ça honnête. Mais justement, bandi pas capable grouiller, bandi pas capable prendre la rue. Mais tu pas capable venir ouvrir corps yo venir kidnapper mon gens qui ont gens qui ont connu cette là gens qui ont fait avec autant de facilité ya yo pas capable faire pour le moment. Ça veut dire que bandi yo dans calonge yo dans bloc yo pas capable prendre la rue et bataille là continuer sous toute forme la continuer sous toute forme. Et après ça, l'autre point que nous gagnons en actualité ya, c'est que moun la Tibonite, et encore une fois yo dit clairement yo déterminé pour que yo fini avec question bagaille kidnapping dans le département de la Tibonite là. Yo décide fini avec ça définitivement parce que yo pas capable à subir en bas sac malhonnête ça yo dans le département de la Tibonite pays là. Nèg a kidnapper mon yo nèg gang la Tibonite là kounya, c'est gang qui pi méchant. Nèg yo kidnapper yo quantité moun. Kouti demoiselle 13 ans là-dedans. Yo violé ti demoiselle là, yo brûlé ti demoiselle là pour faire pression sur famille pour voler l'argent. Parce que yo pour machine qui charge moun. Nous devons comprendre ça. En faut-il attendre Johnny Ferdinand qui t'a fait parler de commissaire Jean-Ernest Muscadin qui a fait travailler ça dans le pays. Partagez mission à peuple haïtien. Bon monsieur René Jean-Ernest Muscadin. Derrière Dieu seul Pierre-Ronel René Grégory Lubin. Dans tout pays, côté c'est la loi qui boussole nous. Dans tout pays, côté c'est la loi qui a commandé. Dans tout pays, côté des institutions qui forment, dans tout pays, côté démocratie, il n'y a pas dans bouche seulement. Où est Jean-Ernest Muscadin? Il n'y a pas même pensé à agir comme la bagia. Voir pour lui agir comme ça. Vous comprenez pour qui ça? Il tape qu'on est dans Jean-Barrieux là, il y a des limites qui n'ont pas franchi. Et s'il franchit, yo, mais ça arrive. Mais là, nous pays, par exemple, côté c'est. Gang qui vient tout puissant. Le nom pays côté même autorité a couru pour gang. T'as bien raison, mon auditeur. Et vient noter ça matin. On pays côté autorité. T'as dû faire gang paix. Autorité a couru pour gang. Nous sommes, j'aime dire, nous, ce qui n'a pas la nationale. Passer pour. En primature, tomber dans le ministère yo, pour y venir dans la direction générale, ce n'est pas deux hauts fonctionnaires de l'État qui courent quitter la caillou pour bandit. Ce n'est pas deux hauts cadres qui courent quitter la caillou, construit ou acheté pour bandit. Mon gen primature qui a abandonné, ou gen palais de justice, Port-au-Prince qui a abandonné. L'autre autorité qui a couru pour gangs, amis auditeurs, avait dit, ou pas gagner côté pour mettre espoir encore. Parce que c'est l'autorité qui te doué là, à chaque fois que tu es en danger, qui vous dit ou mettre tête frette, relax comme citoyen, yo même yo devant, yo pral agir. Bon, autorité ou a couru, et pour jouer un nègre qui décide de jouer, qui lui-même l'a crampé. Pour le bataille contre yo. En face bandit yo. Eh bien, population haïtienne, quel que soit le texte de loi ta rali là, pour dire yo, Jean-Ernest Muscadin pas bon, y a mangé oui. Claire, aïe ou pas bois. Voilà pourquoi Jean-Ernest Muscadin, c'est l'homme fort du département de NIP, de la ville de Miragouane en particulier. C'est parce que effectivement nous pas dans l'état de droit. C'est parce qu'effectivement, nous avons anarchie. C'est parce qu'effectivement, autorité de l'État n'a pas gagné comme ça. C'est parce qu'effectivement, pas gagné pièce pour dans le pays qui a fait rien. Et parler de commandant chef la police, ça son déception pour la République. Pour une institution qui nous investit tout l'argent, taxe nous là-dedans. Et qui nous gagne là. Je dis là, imaginez-vous. C'est grave, oui.
dans qui déjà la police soit tout le monde finit par accepter là pendant que yo connait li nan gang et chef de gang cité non comme zami qui t'a fait complot pour déstabiliser pays pour bouler pays pour juger ton gouvernement un président qui était élu démocratiquement vite l'homme innocent épinglé yo dit et n'a vini venir propre tête encore suite avec yon avis de recherche qui ont lancé des vite l'homme seulement comme quoi que c'est vite l'homme dans coalition qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse pour contre lui mais au pas qu'a dit pas qui moyen vite l'homme était dans assassinat même dans même des CPJ qui mettait vite l'homme sur avis de recherche là comme monde qui dans assassinat Jovenel Moïse vite l'homme dit moi accepter pas de problème mais faut de CPJ dit 1 2 3 4 pas qui moyen vite l'homme était impliqué dans assassinat qui degré d'implication qui rôle il était joué à qui est-ce c'était pour qui ça de CPJ pas bam détail ça veut dire que nous pas prendre El Kassi nous pas prendre Francel B nous pas prendre Ariel Henry nous pas prendre Michel ou bien n'attendre pas du pouvoir laisse à Frédéric le contre pas jamais cala encore comme responsable de CPJ parce que c'est une équipe qui pas sérieux pour moi ou c'est une équipe qui pas sérieux pour moi si vous acceptez pour signer un document comme ça yo accepte yo bâcle l'enquête comme ça quelque part ou puis pas sérieux nous pas jamais cap au sérieux et de fait pas un président qui t'a élu démocratiquement qui peut connait qui peut ta quitter là comme et franchement responsable de CPJ. Come on. Franchement. Boakali en éruption. Johnny Ferdinand, il t'a fait un petit commentaire sur Boakali. En de même population, ça. Des mouns qui sont victimes. Côté yo endetté. Après, yo fin jouen libération. Yo. Malgré yo travail pour remettre l'argent. Lorsque des mouns qui perdent du caillou en de population, ça. Pour raison kidnapping. Parce que, yon vann kaela, yon hypothéke kaela, pour joindre l'argent, pour aller payer bandit. Lorsque yon des moun qui te gen business li, qui fait toute la ville, a fait économie, qui prend pon ya, qui prête l'argent à gauche à droite pour mettre ton business sous pied. Et puis bandit décide que, soit business sa pap ouve la, ou bien si pou l'ouve la, faut gon kop bou la bay chaque samedi ou bien chaque mois. Et moun arrive non moment, le pas kakin banko, l'oblige ferme pot business li, l'ale. Li vin ap soufri même j'a tout moun. Lorsque yon de moun qui fait des prêts la banque, lorsque yon de moun qui passe 10, 15, 20, 25 ans la vie ou ap travail, ap économiser l'argent pour acheter un titre pour construire un kay. Et puis bandit décide de lever. On bon matin li mette moun sa ou dehors moun sa ou ap gade kay la nan photo seulement yo pa fouti proche bon kay la voir yo avec la dedans parce que nèg exam décidé yo même y a pas contrôle zone nan et moun sa ou al dormi nan mauvais condition devant porte kay moun et le monsieur va pas courir encore y a cherche un l'argent que pas même connaît qui boy a joué ni pour payer l'autre petit chambre qui a été. Après, vous allez courir. Je dis à la. Si moun sa ou joué une possibilité pour agir avec rigueur contre catégorie moun sa ou noué les bandits dans le pays, contre catégorie neg exam sa ou, ou bien contre catégorie moun sa ou qui tap simé la trouble dans le pays, qui tap simé la terreur dans la population, qui tap simé deuil, ou pensez que vous allez réfléchir avant vous? Il va n'en parler français avant. Il y a Dieu seul. Sous ta rele maman un policier, proche un policier qui était victime ou un bandit ou dit ça le penser des mouvements bois calé. Il pas réfléchir avant non pour lui dire baio ça yo mérité. Baio bois calé, clair. Il y a Dieu seul. Sous les familles des enclos là qui étaient perdu petit dans condition qu'on est au niveau de plaine là. Ou posez une question, ou dit, qui ça ou comprendre de ce qui a passé là? Y a du bois qui a lié tonton. Gagnez Dieu seul. Souvivez sous ce matelas, ou font micro-trottoir. Ou moins de population sous ce matelas, cabaret. Qui ça ou pensez de mouvement bois qui a lié? Y a pas de réfléchir à vous, n'a pas dit tant non. Y a du bois qui a lié tonton. Souvivez la Tibonite. Au niveau de Liancourt, des âmes, des chapelles, où vous pouvez sonder, où descendre l'Esther pour aller joindre Cocoat sans race. Souvent des gens qui ont péri sur vous.
Souma de moun qui a fréquenté national numéro 1, hein, qui ça vous pensez de boîte à l'IA guerrier de seul? Sou pa ka di yo, adelante guerrier. Yo pa tant d'eau, non? Non, non. Parce que son population qui a souffri longtemps, bah, il faut comprendre ça tout. Son population qui a souffri dans le col, son population qui a souffri dans le nom, son population qui a souffri dans l'esprit. Donc je dis, n'importe fenêtre qui joue pour le venger, il n'y a pas hésité en seconde. Donc si on a analysé la question, ou pas pour un recul pour comprendre ça, ou ap fait fly ou pral créer des ennemis pour grand messi même le ou ap vini avec des arguments qui relativement solides. Gen moun jodi a qui parlait de guerre civile. Mais chers amis internautes, chers amis auditeurs, c'était imminent. Combien fois y a dit autorité en dans pays a si on pas prend les dispositions qui s'imposent. Mais ça qui arrive. Et nous sommes chez notre ministère de la justice et de la sécurité publique là, qui te brandi la loi pour te dire population, hein? Si il y a des gens qui attaquent nous, la caille nous, défendent tête nous, eh bien la caille là, il y a deux niveaux. Il y a droit côté dormir, mais il y a droit dans zone nous tout. Eh bien, si population en dit ce ministère qui te dit ça, qui te dit défendre tête yo, comme yo même yo pa gen M14, yo pa gen AK47, c'est manchette yo gen. Comme yo même yo pa gen M1, yo pa gen gros mitraillette, c'est roche là, c'est manchette là, c'est couteau là, c'est matoa yo gen, eh bien, y a défendre tête aujourd'hui. Exactement. Pa gen pas ça pa ka chemin non. Yo ka raler tout yo di yo même c'est légitime défense. Yo pa prit de nèg exam sur l'autre côté pour venir envahir yo. Et c'est là que nous devons comprendre. Moun qui campe en face bois calé ya. C'est là que nous devons comprendre. Moun qui pas vle tende parler de bois calé ya. Mais par conséquent, qui pas jamais te dit rien, le bandit t'a kidnappé moun dans la rue. Je dis ouais, toute envie monter au créneau. On était quoi, Nel Belizer, on est qui n'a pouvoir tout ça, ou mini justice, tout le monde n'a pas parlé. Mais on fait massacre sous ce mat là. Contre mini justice a te yé. Plus passé 200 moun assassinés selon un rapport. Dans ce matin, cabaret. Ministre de justice pas dit rien. Premier ministre pas dit rien. Personne pas dit rien. Journaliste pas dit rien. Mais je dis à peuple à foutre au bois calé, à bracher. Je dis à tout le monde a fait toute logique. Oui, nous trois sauvages. Nous pas supposés agir avec eux comme ça. Kembe yo baye la police. La police a kembe yo plongé par nous. A venir de kembe la police. Donc nous clés sur ça, oui. Ou police pas vle yo. Chaque ça, bon, ok. Même si nous sommes d'accord avec la police, nous sommes d'accord avec la police, nous devant, après ça, nous sommes d'accord avec la police. C'est clair. Parce que nous ne pouvons pas tous les kidnapper encore, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre, nous tuer trop de monde. Il faut que nous clés sur ça. Son responsabilité, on avance. Quel que soit le monde qui est dans la gang qui vient là, soit comme antenne, ou bien comme même gang, il n'y a pas soit à l'infinitif. Clair. Si carrément, il y a tout ça, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a un monde qui parle de anarchie. Aujourd'hui, c'est la preuve que nous tombons dans l'anarchie totale. Mais bon problème. C'est jeudi à Bounouen dans l'anarchie. Hein? Haïti, son pays qui est dans l'anarchie. Ce n'est pas pendant la palais là, ce n'est pas pendant bois calé à initia, non? Alors pour nous comprendre ça que l'anarchie, c'est absence d'autorité de l'État. En ce jeudi, pendant un bois calé, nous pensons que le pays est dans l'anarchie ou bien le pays va tomber dans l'anarchie. Le pays est dans l'anarchie déjà. Donc c'est l'autorité qui n'a pas assumé responsabilité qui mène nous là. Correct. Correct. Si tu as l'État, si tu as l'autorité, est-ce que pense la population, mes citoyens, tu as obligé de recours avant geste privé? Oui, mais jamais. Ça n'a pas empêché que nous posions question sur finalité et opération ça. Nous d'accord. Ça, parce que il y a deux mondes qui quand même sont victimes ou capables victimes par erreur ou par règlement de compte. Et Gombagay, tout pour nous questionner, par exemple, dans Bois Calé, hein, qui commençait à partir de Debussy, et un paquet de bandits qui mourit, et ils étaient venus pour envahir Zona, ils n'étaient pas venus à deux douettes, ils étaient venus avec des armes, et ce n'est pas à armes de poing, c'est gros armes. Donc, Koulian, nous, qui doit tout, qui a posé question, côté armes, ça y est. Côté armes, ça y est. Nous n'avons pas de problème, Pierre. Nous n'avons pas de problème. Mais quand il y a là, ça, moi, même moi, je voulais essayer de faire auditoire, là, comprendre, matin. Un, si nous blâmons
population pas qu'à premier groupe pour nous blâmer. Mm-hmm. Pour si ça, ça n'a pas vivre là son résultat lié. Si nous te connaissons, l'on est fait nous un bagage, Pierre Ounel ou une guerrier du seul Grégory Lubin, nous capoter plainte en côté, et que l'autorité compétente yo a agi, sans passe pour qui, eh bien n'importe nèg qui te prend ou de vengeance privée, la loi t'a servi contre tout. Exactement, c'est clair. Par contre, si nous comprenons. Mais, l'on considère que, il y a des gens qui étaient là, qui pouvaient assumer des responsabilités dans le pays, pour t'empêcher nous d'arriver là, pour t'empêcher que nous dégagions ça comme tableau, pour t'empêcher que jodi à là, n'a assisté à forme de violence ça yo, moun ça yo pour une raison bien pour l'autre, yo t'ai croisé bras yo pas assumer responsabilité yo. Même pas quoi qu'on y a là si ça arrivait, pour c'est sous ça ne capitaliser et puis ne pas capitaliser sous ça qui fait arriver à. Parce que de ça m'a parlé. Parce que ça qui arrive à ces résultats on bagay lié. Eh bien, si nous prenons questionner ou bien si nous prenons analyser pour nous chercher à comprendre et pour nous venir avec solution, ce n'est pas sous problème non, pour nous chita. On garde ça qui est problème non. Parce que où est-ce qu'on aborde le problème non, là, ou essayer de résoudre ou pas résoudre li. À la source, je garantis demain matin, si même cause yo toujours été là, il va produire même bagay encore. Tant ça qui passé, il a révolu, après un nombre de temps, il a trié, mais depuis même pratique yo persisté. Ou pour le retrouver dans le même scénario encore pour parler de même problème non. Mais pour qui ça ne pas chercher à comprendre, pour qui ça ne arrive là, qui ça ben nous ça, qui ça fait arriver là, on a des causes ensemble, on agit sous causes. Ou est-ce qu'on agit sous causes et nous sincères et nous prenons, bah, écoutez, nous prenons, on va garantir que nous problème nous résoudre une fois pour toutes. Mais si c'est ça qui a privé en AVC Manien, qui est-ce qui pour, qui est-ce qui compte, il a trié, pour qui ça le consacre, vous comprenez? Je bon, garantis que c'est un on a tourné. Pierre, je ne sais pas quoi, tu es un monde qui t'a avisé, qui t'a pris la parole, les gangs qui t'a théorisé la population, qui t'a dit, si pas gagné des décisions qui prennent le pays, si l'État, à travers chef gouvernement, à travers CSPN, à travers directeur la police eux-mêmes. Yo pas entendu pour combattre le grand banditisme en Haïti, gon le cap privé. Peuple a pris responsabilité. Mais ça n'a rien comme tableau. C'est clair, nous toujours dit là. Et d'encourager peuple à faire ça. Dieu seul sait pas grand jour demain pas pitrice non. Et me souhaiter demain pitrice pour bandi oui, parce que demain puis supposé plus belle, plus rose pour peuple là oui. Parce que c'est clair, parce que jodi a faut que nous dit li pas possible pour un jeune garçon pour comme si m'a dit pour besoin l'argent pour ces deux monde pour sortir dans la rue pour kidnapper ou prendre gomme baleine gomme caoutchouc gomme vieux galon plastique pour brûler yo ou prendre jeune fille ou violer yo et puis ou faire au bord 2-300 000 dollars américains comme si m'a dit pour fonctionner pour gain cob jeune garçon ça doit passer en bas flamme du feu ou de passer en bas coup de manchette peuple là ou pas supposé vivre dans la vie encore jamais depuis c'est nèg qui te fait kidnapping. Ces derniers temps, année ça, ces dernières années pour ouais dans la vie. Année ça, ces dernières années pour dernière année pour dans la vie. Li clair. Depuis ces jeunes garçons qui participent dans kidnapping, depuis ces jeunes filles qui t'a dit avec kidnapper, qui t'a couché avec kidnapper, fait créer avec kidnapper, année ça, ces dernières années pour ouais dans la vie. Il faut que nous clair sur ça, peuple haïtien. Il n'a le pire loin pour nous dire quel que soit artiste après Boakale. Moi bien dit oui, moi préciser pour nous après Boakale, quel que soit artiste, quel que soit tendance là. Qu'elle collaborer avec un chef de gang dans le pays, ces dernières années pour dans la vie. C'est clair. Faut que nous clair sur ça avec tout le monde. Pour le Boakale prendre, pour personne ne va venir dire, faut que nous de belles chances. Jamais. Avant Boakale, qui te collaborer avec un chef de gang, ou qui pardonnable. Mais après Boakale, gros coquin chaîne de mobilisation, ça que le peuple a fini faire. Si vous prenez chance, ou elle collaborer avec un chef de gang, c'est que ou son monde qui t'a supporté. Gang nan, et qui te contre Boakale ya, ou ap crache sou mouvement peuple qui se Boakale. Et de fait, Boakale pour l'ap réservé, l'ap tan nou la quel que soit le, nou kwa zavol nan baoul. Li très important. On avance peuple haïtien. Par contre, vous comprenez. Donc, li évident que ça n'a vive la pa ka supprenne nous. Et si on moun da djou ko sa, ah, yo saisi ou sa ka passe ya la, ou pat nan paye, ou bien gon paramètre ou pat maîtrise. Moi même personnellement sa ka passe la, pas supprimer moi. Nous t'ai attendre avec lui et m'attendre au pire. Mais on se comprend parce que l'arrivé, nos situations, on mettait de l'eau dans vase, nos récipients, au côté qu'a privé l'a débordé.
pas un débat sur ça la préversée. Il y a pas l'eau de état de droit nous loin, nous ceci, nous patatine patata. Mais il y a longtemps, oui, nous pas dans la question de l'état de droit dans le pays. C'est pas aujourd'hui, non, nous pas dans état de droit. État de droit, c'est quand la loi abdominée, oui. C'est quand la loi est toute bagarre, oui. Dans l'état de droit, c'est vraiment personne n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui est toute bagarre, oui. Bon, n'est-ce qu'il là pour faire appliquer la loi? N'est-ce qu'il là pour assurer que la loi va violer? C'est eux qui ont violé la loi. Et puis, nous avons parlé de l'état de droit. Nous sommes dans l'état de droit. Ah, là, nous avons fait forum, Pétionville, fait colloque. Et font paquet et activité dans l'hôtel, réunis moun, parler français. Et c'est l'état de droit, n'en fait? L'état de droit, c'est dans les faits, oui. Gâte niveau justice, nous. Vous comprenez? Gâte ça qui a passé là. Gardez. Est-ce qu'on voit où tu es dans l'état de droit? Et la population a donné ou a pratiqué ça, ou bien initié mouvement bois calé, et laisse à nous, nous on a anarchie. C'est laisse à nous, on n'a pas de l'état de droit. C'est laisse à nous et violence dans comment c'est multiplié. C'est laisse à nous violence dans comment c'est pour un niveau tête chargé dans pays. Bon monsieur René Jean-Ernest Muscadin. Guerrier Dieu seul Pierre-Ronel René Grégory Lubin. Dans tout pays côté c'est la loi qui boussole nous. Dans tout pays côté c'est la loi qui commande. Dans tout pays, côté des institutions qui forment, dans tout pays, côté démocratie, il n'y a pas dans bouche seulement. Où est Jean-Ernest Muscadin? Il n'y a pas même pensé agir comme la bagia. Voir pour l'État agir comme ça. Vous comprenez pour qui ça? Il tape qu'on est dans Jean-Barrieux là, il y a des limites qui n'ont pas franchi. Et s'il franchit, mais ça arrive. Mais là, nous pays, par exemple, côté c'est. Gang t'as tué mon tout journée qui vient tout puissant le nom pays côté même autorité a couru pour gang t'as bien raison l'auditeur et me vient noter ça matin au pays côté autorité t'a doué faire gang paix autorité a couru pour gang nous songe me dit nous sorti dans palais national passer prend primature tomber dans ministère yo pour arriver dans direction générale yo. Ce n'est pas deux hauts fonctionnaires de l'État qui courent quitter la caillou pour bandit. Ce n'est pas deux hauts cadres qui courent quitter la caillou, construit ou acheté pour bandit. Mon gen primature qui a abandonné. Ou gen palais de justice, Port-au-Prince qui a abandonné. Le gen autorité qui a couru pour gangs amis auditeurs. Avez dit, ou pas gagné côté pour mettre espoir encore. Parce que c'est autorité qui te doué là, à chaque fois senti ou en danger. Qui vous dit ou mettre tête frette relax comme citoyen, yo même yo devant, yo pral agir. Bon, autorité ou ap kouri, et pour jouer un nèg qui décide de jouer, qui lui-même l'ap campé. Muscadin. En face bandi yo. Eh bien, population haïtienne, quel que soit le texte de loi tarali là, pour dire yo, Jean-Ernest Muscadin, pas bon, y ap manjou, oui. Voilà pourquoi Jean-Ernest Muscadin, c'est l'homme fort du département de Nip. De la ville de Miragouane en particulier. C'est parce que effectivement nous pas dans état de droit. C'est parce que effectivement nous dans anarchie. C'est parce que effectivement autorité l'état pas gagne comme ça. Donc on est comme Muscadin, il vient automatiquement le chouchou de la population haïtienne. M'a prédit ça encore. Si nous t'a fait pays. Si nous te gagné un pays t'a marché côté toute institution yo. Mette campé et puis rempli mission yo. Moi dis nous Jean-Ernest Muscadin n'est pas la même pensée à jouer la bagia là. Jamais. Voir vous d'agir comme ça. Et bien c'est parce que jodi a là nous bail comme l'impression que c'est gang yo qui au commande. Et bien faut gon moun ki ka camper en face gang yo. Et bien si gon moun ki ka camper en face gang yo, zanmi auditeur, population a tout prendre comme le sauveur. Exactement. Comme le Dieu. Et bien sous point ça tout, voilà, désolé Johnny. Sous point ça, tout m'a tout dit population haïtienne dans cap tande nous cap garder nous là. Nous pas capable pas quatre chemins et hypocrisie nous pas arriver plus loin ensemble avec elle. Raison qui cause Ariel peuple à Calais c'est parce que loin automatiquement nous t'a fin dénicher bandi nous pas gien l'autre bagarre que n'a demandé, n'a pas directement questionner messieurs dames qui t'a alimenté gang yo. Qui est soyé n'a quitté dans politique qui t'a alimenté gang yo pour arriver dans niveau ça.
et automatiquement moun sa pa gen l'autre côté qui n'a croisé yo c'est dans pouvoir automatiquement dans pouvoir qu'on n'a pas demandé départ yo on n'a pas marcher prend yo violence là il va passer dans l'autre niveau et que tu vois que on va perdre du pouvoir mais pour toute raison ça yo yo pas jambe pour bois caler à camper et ben au même comme peuple faut qu'on dit faut que nous continuer avec bois caler parce que faut que nous fin avec problème ça définitivement nous pas capable tomber dans 2024 pour nous pour nous pral dit trop kidnapping dans pays a toujours faut que nous tuer bandi faut que nous arrêter bandi nous pas qu'à traverser 2024 avec gang encore nous pas qu'à traverser attendez nous pas qu'à arriver mois de juillet nous trouver là pour sommeil pour que diaspora ici n'a pas rentré dans pays a parce que moi même toujours parler nous de ça yon haïtien yon pèl yon bourette yon balé yon pèl yon bourette yon balé ça veut dire qui ça. Ça veut dire que l'on jeune garçon dans le pays d'Haïti ou décide pour bataille contre bandit dans le mouvement Bois Calé, après le Bois Calé fini, il faut qu'on dit tout clairement, il faut que zone soit propre, il faut que zone soit clean. Même si nous avons demandé à Thomas pour le faire, vous prenez pelle, vous prenez bourrette, vous prenez balé, après vous finissez de dénicher gang en l'air, même si vous avez pour s'habiter, et vous continuez à kebel. Il faut que tout le monde la boule, tout le monde fait ça, il faut que tout le monde la caille. Faut que tout le monde qui trouve exactement dans qui te caillou dans zone Taraz tourne la caillou. Faut que tout le monde Thomas en général tourne la caillou parce qu'il faut que la vie reprenne en l'air. Faut que tout le monde capable tourner la caillou, vienne vivre la caillou normalement. Il pas possible pour un groupe terroriste, un petit groupe kidnappé, un petit groupe criminel à tuer monde dans pays comme ça. Il pas possible. Et faut que nous continuer avec opération Bois Calé qui nous doit avancer ensemble avec sous toute forme parce que Bois Calé c'est une solution. Que nous gagnons, capé de dénicher bandit. Parce que l'on est kidnappé, ou gagne des sorts qui réservés pour vous directement. Pasteur Claude Lucet. Exode 22, verset 20 très clair. Oui. Au monde qui kidnappe moun, au monde qui viole filles, au monde qui séquestre moun pour revendre, la Bible condamne à la peine de mort. Ah oui. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Moun qui a retiré la peine de mort. Les problèmes dans le pays, c'est les gens qui révoltent contre la justice. Au pays, pas capable de la peine de mort. Parce que tout pays qui n'a pas la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. Il faut que la justice prononce des jugements proportionnels aux crimes commis. Si crime n'a pas joint en justice qui proportionnelle à lui, crime n'a pas jamais suspendu. Au pays qui retire la peine de mort la Kaili, son pays qui condamné pour vagabondage dévoré. Les papes jamais rien parce que justice pape jamais capable d'établir dans le pays. Jodi à tout le monde a parlé de nouvelle constitution en Haïti. C'est le moment pour prostitution ça. Constitution 87 la témène ban nou en suspend. Ou a kidnappé moun. Exode 22, verset 20 très clair. Au monde qui kidnappé moun. Au monde qui viole fille. Au monde qui séquestre moun pour revendre, la Bible condamne à la peine de mort. Depuis dans Genèse, nous lit ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. C'est la dispensation humaine, le gouvernement humain. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout coton moun retire la peine de mort ou condamné pays ou pour injustice détruite. Et si haïtien, salut mon Dieu. Conscient de la vérité biblique, il a tout te doit lever voix pour dire oui à la peine de mort. Non. Non à l'impunité. C'est le moment. Voilà, très bien. Pasteur, pasteur Manchette, café jalousie côté lié, oui. Nous ne sommes pas capables, pasteur Manchette, non. Béni Manchette, moi, Seigneur. Béni Manchette, moi, Seigneur. L'homme observe à elle. L'homme observe à elle. Quand on bandit. Quand on bandit. Que me voyait le devant. Que me voyait le devant. Que me voyait le derrière. Que me voyait le derrière. N'importe jambe voyait. N'importe jambe voyait. Pour le couper viande. Pour le couper viande. Pour le couper zo. Pour le couper zo. Pour le gagner caca bandit. Pour le gagner caca bandit. Parce que l'on criminel prend plaisir dans kidnapper moun. Dans tuer moun, faut qu'on ait quelque part au côté. Y a p'tan nous quand même. Parce que en Haïti, nous conseillons des assassins, c'est eux qui toujours prennent pouvoir, mais c'est eux qui ont des gangs. Et ça cause, je ne dis pas, nous finissons dénicher les bandits à sa part, les bandits sales, les exécutants, il faut que nous connaissions. Manchette, nous prenons le pied filé, parce qu'il y a des gens qui durent, des gens madrés, des gens qui sont en politique depuis 36 l'année, des gens qui sont en politique depuis 25 l'année, que nous prenons mettre manchette sur eux publiquement, parce que définitivement, leur blanc finit sanctionner criminels, assassins, gangs qui kidnappent ça, nous-mêmes, nous avons propres sanctions par nous pour nous battre à travers Bois Calé. Parce que c'est nous qui mourons. Ces petites nous yo kidnappé,
Cherchez petit André Michel, li aux États-Unis d'Amérique. Cherchez petit Nenel Kassi, madame Nenel Kassi, li trouvé aux États-Unis d'Amérique. Cherchez petite madame Ariel Henry, li dans pays la France. Cherchez madame petite José Pierre Louis, yo trouvé dans pays étranger. Cherchez petite majorité sénateur député yo dans pays étranger. Et petite Don Kato, yo aux États-Unis pendant qu'elle parle pas qu'elle l'autre bois lui-même, pendant qu'elle sanctionné. Côté petit oligarque yo, yo trouvé dans pays étranger, en pays là dans Dominicani, yo prend plaisir au bois grog yo. Qui paye yo détruit Haïti. Qui paye yo boté million pas bout de sac ça en Haïti. Qui ça fait bien vivre dans niveau ça Haïti. Jodi a. Ou capable gagne toute qualité critique pour blanc, m'pa gen problème avec ça du tout. Mais sauf que faut qu'on dit tout clairement. Blanc ba yon bourette concrètement. Lis que la République dominicaine mette de yon à côté de 39 personnalités là-dedans. Bien que yon graine que yon prévoit retirer, que nous pas connaît. Mais m'a dit que, dans lis ça, nous t'as supposé gen lis ça pour chaque haïtien qui n'a pas calé à gen lis ça dans mel avec photo monsieur dame sa yo. Photo moun sa yo dans menou, avec lis là dans menou. Quel que soit côté nous kwa avec moun sa en Haïti, manchette nous doué kon potet nek sa yo. Ou pral dim sauvage, ou pral dim sadique, non pas sadique. M'en vi bay pays mbourad. Ou pral dim sauvage, non pas sauvage. M'en vi de pays m'sot dans sa kel touvel la. Ou pral dim sauvage, non pas sauvage du tout. Parce que Haïti, touvel nan situation qui difficile, faut que nous mette men en pat la pour nous retirer dans sa kel touvel la. Ou pral dim sadique, m'pas sadique du tout. Parce que définitivement m'choisi neg, effectivement, qui nan crime nan. Pour nous cibler directement. En autant de tigrati déclaration ça, pour qu'on l'évite l'homme fin dit ça, est-ce que vous même cap mené opération pour caler, est-ce que l'homme fin déniche tibadia sa patte là, est-ce que vous devez quitter ça là toujours? Tandis ça, peuple haïtien. Tout souhait que nous te fin débarrasser de pouvoir, toute mise en place de fait pour me déjoindre ça, que qui revient parti pam nan. C'est dans la discussion. Pour que pour ne pas joindre ça que vous avez dit avec qui rentre que bagala chavie et j'en chavie. Ok, bon, moi prenne pour moun yon ka comprenne. Si m'kore ou abdi m'kore, vite l'homme innocent et investi un paquet de l'argent, soit dans pays lok. L'investi moyen, bien nan question et fantôme. L'investi un paquet de l'argent pour te débarrasser. Mobilisation, tout le monde est net. Ok, pour te débarrasser pays hein, de questions fantômes de pouvoir Jovenel. Kounia, li kwè l'important, faut jouen bénéfice client, faut jouen saleté investi, c'est ça. Radio Omega. Et puis Kounia, font-il baisser volume dans moi, s'il vous plaît. Kounia, pouvoir, quand pas en quoi, dit pas bon. Hein. Ok, à qui est-ce que tu négocies l'un prend pouvoir, m'a joindre ça pour me joindre. Je veux des noms. Pays a besoin de noms. À qui nous négocier le bagage, le jour venait le final, il parle encore, ou même qui t'investit tout l'argent, ça ou à joindre. Non, monsieur, avant de parler du secteur démocratique, le premier ministre, le ministre de la planification, bon, tout le monde, on était fait des chitas. On savait dire, ou t'es. Ça veut dire, en volant moi, Jovenel, ou t'es qui t'a chita avec Ariel? Oh, les amis. Qui compte éviter l'homme? Je reprends. Est-ce que Ariel Henry, le premier ministre actuel, est-ce qu'elle te convient chita dans l'espace pour le négocier pouvoir? Radio Omega. Ariel pas chita dans l'espace, mais nous rencontrer dans El Rancho. Avant Jovenel mourir. Avant Jovenel mourir. Tendez au pays. Avant et après. Avant et après. On nous reprend encore pour pays attendre ça. Pour nation attendre ça. Et définitivement, vite l'homme, je suis à l'aise avec monsieur. Mais vite l'homme, très confortable. Dit vite l'homme, pas de pièces bois calé que pour la police pour le faire contre tout. Entendez, peuple haïtien. C'est pays là, Paulio là. Tout souhait que nous te fin débarrasser de pouvoir, toute mise en place de fait pour me déjoindre ça que qui revient parti pam nan. Ta bien. C'est dans la discussion pour que pour me pas joindre ça que vous avez dit avec qui rentre que
bagala chavire, Jean Chavire. Chavire. Ok, bon, moi prenne pour moun yo ka comprendre. Si m korek, wap di m korek. Vite l'homme innocent te investi un paquet l'argent, soit dans pays lok. L'investi moyen, bien nan question et fantôme. L'investi un paquet l'argent pour te débarrasser. Mobilisation, tout bagay net. Ok, pour te débarrasser pays hein, de question fantôme, de pouvoir Jovenel. Kounya, li kwè l'important, faut jouen bénéfice lien, faut jouen. Salte investi, c'est ça. Radio Omega. Et puis Kounia, font tibé ses volumes dans moi s'il vous plaît. Kounia, pouvoir quand pas quoi, il dit pas bon hein. Je vais décider. OK. À qui est sous tes négocier, l'un prend pouvoir, m'a joindre ça pour me joindre. Je veux des noms. Pays a besoin non. À qui nous négocier le bagage les jeunes final il mou, il parle encore ou même qui t'investit toute l'argent ça ou joindre. Nous avons parlé du secteur démocratique, le premier ministre, le ministre de la planification. Bon, tout le monde a fait des chitas. Ça veut dire, en volant moi, Jovenel, où t'es qui t'a chita avec Ariel? Oh, déjà non. Qui côté éviter l'homme? Je reprends. Est-ce que Ariel Henry, le premier ministre actuel, est-ce qu'elle te convient chita dans l'espace pour négocier pouvoir? Radio Omega. Ariel Pachita n'a pas ça, mais nous rencontrer dans El Rancho. Avant Jovenel Mouri. Avant Jovenel Mouri. Chalmas. Avant et après. Avec Ariel. Avant et après. Avec Ariel, actuel premier ministre. Avec Ariel, actuel premier ministre. L'ité chita avec Ariel avant assassinat Jovenel Moïse. L'ité dit. Dans l'interview qu'il était ensemble avec nous, c'est clair, bon, m'rale pour nous. Et il dit qu'il était chita avec Ariel Henry après l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est vite l'homme qui a parlé. Ce n'est pas nous qui a parlé, nous-mêmes, nous pas fait parole, nous pas fait nouvelle, nous pas nouvelle. Son vérité absolue. Entendez encore. Il faut bien tout salter lui-même. Écoutez bien, vite l'homme dit ça pour le pays. Tout le monde connaît que ou Sénégal Azam et ou te campé ensemble avec l'homme sans jour d'où Sénégal Azam ou Bajam joué. Tout le monde connaît qu'on a un avou. Vite l'homme innocent. Ou ka peut-être Jean Payan, Jean Nation, Jean qui a fait nous dans les médias, dans les médias traditionnels de l'Haïti, s'il passe à dire pas ça. Vite l'homme qui doit pas faire 100 kidnapping. Vite l'homme qui doit pas faire 200 kidnapping. Si vous groupe police qui a fait kidnapping, dis-moi tel kidnapping qui te fait, c'est où que tu fais. Ou même vite l'homme, est-ce qu'on pas fait kidnapping? Gâteau, c'est une raison qui fait nous, monde qui peur, pas qu'à camper sous monde. Évidemment. Quel que soit on est capable de faire ça qui pas qu'à assumer. C'est parce que le pas quoi dans tête lui. Très bien. OK? Très bien. Et moi te dire avant que me te parler avec lui, l'amour par la zone par la pli, nous te gon lien et me dire que nous te gon chita pour te créer ce qu'on appelle un forum de fantômes. Laisse en te chita avec des hauts gradés. Si t'es vraiment mieux placé au niveau du gouvernement actuel. Si t'es non, moi te dire il y a un point de presse là. Très bien. Tout nèg qui fait partie des gouvernements ça actuel ça là, tout nèg ça fait partie des équipes qui te fait sans couler. Qui te fait mort pour te capable participer dans gouvernement ça là. Pays diaspora haïtienne qui a souffri, qui connaît que dans qui niveau y a des tout jeunes garçons dans pays là, qui connaît dans qui niveau que on pas qu'être nèg dans dans le pays là. Et puis ces nèg ça pas ces petites soirées là, il y a comme si y a bail porter toute chaillot après toute planification fin ensemble avec. Bail pays a 5 grandes novités l'homme, fait ça pour nation, fait ça pour la République, fait ça pour tête tout, fait ça pour petit tout, fait ça pour famille. Bail pays a 5 grandes. Nous suis avec ex sénateur Nenel Kassi. Nenel Kassi ta Ahmed Michel. André Michel. Nous suis avec directeur actuel là. C'est fait partie de membres. Qui est-ce que, on parle du directeur actuel, qui parti? Directeur de la police. Ça veut dire France LB. Ça veut dire France LB. France LB. Ok, ça fait toi. Tu fais partie de l'équipe. Ok. Nous chita avec le premier ministre avant que je t'écoute l'IA. Écoutez bien, ça veut dire pas ça. Et Ariel, on va parler là? Tout le monde net, ça, on chita ensemble avec nous. Ariel, qui est-ce qui a couché? C'est l'homme Jovenel qui a couché la bien. Ok, reprenons non ça pour nation, Captain Do, parce que vite l'homme, on va parler la vérité. Notre premier ministre, notre représentant, le chef du CSPN. Ariel Henry. Et nous chita avec le ministre de la planification. Ça veut dire Rika Pierre. Rika Pierre. Très bien.
et nous faisons diverses rencontres au niveau d'Elma 75. Dans qui base, dans qui local? Quatre ex-député. De qui député? Député Saint-Ville. Justement, ça c'est vite l'homme toujours qui continue à parler. Ça veut dire qui ça? Les gens qui ont le pouvoir, c'est des kidnappeurs, c'est des assassins, c'est des gangs qui ont. C'est des criminels notoires qui ont. Chita avec tout assassin, tout petit volant, tout petit gang pour te déstabiliser un pays, pour te tuer un président. Objectif, c'est de battre l'autre. Il va jamais d'Haïti, vrai. C'est juste prendre pouvoir pour nous venir riche. Prendre pouvoir pour nous continuer à mettre le peuple en misère. En douleur et non seulement on a une misère, yo augmenté niveau sécurité, enragé dans d'ailleurs, faut pas presque pas gagner espoir dans pays, pendant que eux même y a broté millions par bout de sac dans pays, yo rend nous pas qu'à vivre dans pays, parce que eux même yo garanti sécurité petit tu assuré, parce que petit pas dans pays, et puis eux même dans pays chaque a marché avec 15 nèg armé d'ailleurs, André Michel gagne 15 moun armé d'ailleurs, deux bako police plus machine liée encore chargé nèg armé là-dedans. André Michel, n'ap gen pou nou tourner pour sous ça parce que li révoltant. Moi men nou anpil kembe la balague, n'ap tourner pour l'autre édition. Info Beto avec deux invités que n'ap gen après-midi. Kembe la balague, son plaisir.